parce qu'on va commencer. Il est 18h02, donc par respect par ceux qui nous suivent en direct. Merci. Secrétaire de séance, je propose Monsieur Bois et Monsieur Pro. Merci. Merci à vous. Voilà. Ben voilà, c'est pour le retour de Michel Pro, mais qui travaille un peu. Alors, j'ai fait des pouvoirs. J'ai perdu. Ouais. Alors, il y a plusieurs personnes qui sont absentes. Donc, Madame Changarnier donne son pouvoir à Anne Perrin. Madame Bottagisi donne son pouvoir à Thomas Barthelet. Nicole Parizeau donne son pouvoir à Marie-Pierre Maillard. Madame Grand-Clément Chaffy, son pouvoir à Christophe Bois. Monsieur Thierry Valineau me donne son pouvoir. Jean-Philippe Rameau à Monsieur Guillermo. Madame Roupli à Monsieur Gaffio. Et puis Émilie Goujon, qui sera obligée de partir en cours de séance, donnera son pouvoir à ce moment-là à Geoffrey Visy. On va passer à le dernier PV. Est-ce qu'il y a des remarques particulières sur le dernier PV ? S'il n'y a pas de remarques particulières, on va considérer qu'il est adopté à l'unanimité. Merci. Je vous fais part des décès qui ont eu lieu. Donc, le décès de M. Pascal Bataillard, survenu le 9 mai 2023 à l'âge de 63 ans. Le défunt était le père de Céline Bataillard, gestionnaire du domaine public au sein de la direction urbanisme, habitat et cadre de vie, domicilié à Courland. Donc la cérémonie a eu lieu le 16 mai 2023. Le décès de Madame Régine Marchandeau, survenue le 9 mai 2023 à l'âge de 62 ans. Elle était agent d'entretien depuis 1998 dans les écoles au grade d'agent de maîtrise au sein de la ville de Lons-le-Saunier. La cérémonie a été célébrée le mardi 16 mai à Lons-le-Saunier. Et puis le décès de Madame Loyer-Hélène, survenue le 6 juin 2023 à l'âge de 51 ans. La défunte était la mère de Vanessa Nicolella, responsable de l'exécution budgétaire et comptable au sein de la direction des finances et du contrôle de gestion. Et puis je rappellerai qu'il y a deux anciens conseillers municipaux ou communautaires qui sont décédés. Il y a eu Madame Gaffio et puis Patrick Elvési. Donc on avait fait une minute de silence pour Patrick Elvési, pour le conseil municipal qui avait eu lieu le 9 juin, si ma mémoire est bonne. Voilà. Alors, vous avez une délibération qui a été modifiée, celle concernant la vente du tènement de Montciel. Donc, on vous l'a mis sur table. On a surtout mis un plan plus précis que celui qui était très peu lisible en noir et blanc. Voilà. Donc, on reviendra sur cette délibération tout à l'heure. On va passer à l'ordre du jour du conseil municipal. Donc, la première délibération, donc, c'est subvention au fonctionnement de la maison commune. Avant de passer la parole à Émilie Goujon, je vais faire une petite introduction. Donc, les liens entre la maison commune et la ville de Lons étaient devenus beaucoup trop illisibles, entraînant des dysfonctionnements sur les flux financiers, mais aussi s'agissant du personnel. La LSH gérée en direct par l'association, différente de statut entre les différents personnels. Ce manque de clarté n'aidait pas les actions des uns et des autres. C'était même nuisible au niveau efficacité. Et dans son rapport de 2014, la Chambre régionale des comptes avait déjà alerté la municipalité sur ce point, sans qu'il y ait eu de modification. Et dans le dernier rapport de 2022, donc les mêmes problèmes ont été pointés. En parallèle, on avait déjà lancé avec le cabinet Mouvance un audit pour étudier tous ces dysfonctionnements. Et je salue ici le président de la maison commune, Marc Filotti, mais aussi son prédécesseur, Stéphane Biodel, qui avait déjà travaillé avec nous. Et puis Émilie Goujon, mon adjointe, qui a beaucoup travaillé sur ce dossier. Et donc il y a eu un protocole d'accord signé il y a un an, hein, c'est au mois de juin 2022, et puis qui est arrivé avec la convention triannuelle qu'on a votée au mois de décembre 2022. Donc ce travail permettra de clarifier les relations juridiques et financières entre la maison commune et la ville de Lons. Et je passe la parole à Émilie Goujon pour la suite de la délibération. Merci, Monsieur le maire. Bonjour, bonsoir à tous. Donc oui, en effet, les rapports de la Chambre régionale des comptes nous imposaient de clarifier la situation des personnels.
Donc avec la signature de la convention, on se donne les moyens de permettre à l'association Maison Commune que d'employer elle-même ses personnels. Donc là, dans le titre de la délibération, c'est subvention au fonctionnement de la LSH Maison Commune, mais également de la direction, puisqu'il y a le poste de direction, Madame Émile Audot a quitté ses fonctions. Donc avec cette délibération, on vient soutenir financièrement l'association pour qu'elle puisse embaucher ses personnels. Il est donc proposé à l'Assemblée délibérante de verser une subvention de l'ordre de 117 667 euros. Cette subvention couvrira la période de septembre à décembre 2023 pour une compensation de 4 362 heures de mise à disposition de personnel LSH aux co-animateurs, ainsi que la couverture du poste de direction de septembre à décembre. Il est rappelé que le financement public ne peut en aucun cas excéder les coûts liés au fonctionnement de la LSH et que l'association transmettra les indicateurs spécifiques à terme échu. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Deuxième délibération, c'est la révision des statuts d'éclat. Par délibération en date du 24 janvier 2019, le conseil communautaire d'éclat a approuvé ces nouveaux statuts à l'issue du départ de la commune de Courbette et de l'adhésion de la commune de Baume-les-Messieurs, et intégrant par ailleurs notamment la compétence gestion des eaux pluviales urbaines et la modification de la compétence petit patrimoine bâti. Considérant les travaux conduits en 2021-2022 dans le cadre de la commission Petite Enfance, d'un comité de pilotage dédié à la compétence du service scolaire, ainsi que dans le cadre des réunions d'exécutifs, considérant le travail d'audit réalisé en 2022 et la mise en évidence d'un besoin de simplification et d'efficience accrue dans la gestion des ATSEM et du personnel d'entretien dans les écoles, le conseil communautaire d'éclat a décidé lors de la réunion du 30 mars 2023 de modifier les statuts en retirant l'article 8 ainsi libellé. Je ne vais pas vous lire tout l'article, mais pour résumer, donc, l'AGLO a retransmis aux communes la gestion des ATSEM et du personnel de nettoyage. C'est une discussion qui a été menée avec tous les maires, et notamment les maires qui étaient concernés avec des écoles, avec des ATSEM et du personnel, souhaitaient gérer en direct ce personnel. Ça posait plus de problèmes. Cette compétence qui était à moitié transférée, finalement, posait plus de problèmes d'organisation. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce vote au mois de mars. Il convient maintenant que chaque commune délibère pour approuver cette modification. Donc c'est pour ça que vous avez cette délibération ce soir à l'ordre du jour du conseil municipal. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur ce dossier? Oui, monsieur Vélin. Oui, bonsoir à tous. On ne va pas refaire la discussion qu'on a pu avoir les uns et les autres au conseil communautaire, quoique, suite à la question que j'avais posée, où j'étais surpris que l'agglomération rende aux communes une compétence qui me paraissait intéressante. Et d'ailleurs, il est dommage que vous n'ayez pas lu l'article en question, parce que si on reprend son deuxième paragraphe, moi j'aimerais savoir pourquoi, parce que je n'ai pas eu la réponse au conseil communautaire, peut-être que je l'aurai ce soir. Le deuxième paragraphe me paraît intéressant parce qu'il justifie justement le transfert. Et il dit « Un tel transfert permet de mettre en commun les compétences de ce personnel, de renforcer la formation de ses agents, de garantir une souplesse en cas de besoin de remplacement, comme les congés maladie, de pérenniser par une plus grande mobilité les postes, même en cas de fermeture d'une classe. » Donc je trouve que là, cet article et ce paragraphe en question-là relevait quand même un certain nombre d'avantages pour le personnel, pour la collectivité, pour les usagers. Quel est donc ce problème qui fait que la difficulté qu'on a à offrir et à permettre des ATSEM partout de façon utile sera mieux fait demain par les communes que ce ne l'est aujourd'hui par l'AGLO qui a quand même travaillé depuis de nombreuses années pour mettre en place ce système? Moi, je ne comprends pas ce qui ne marche pas. Je voudrais qu'on me l'explique parce que je ne vois pas comment on pourra mieux recruter quand on est Brio, Périgny, Lons, que quand on est espace communautaire Lons agglomération. Donc pour ces raisons, à moins d'avoir une explication, et surtout pour qu'on m'explique aussi en quoi ça sera une efficience accrue, je reprends l'énoncé aussi de la délibération, que ce soit rendu aux communes, si je n'ai pas ces explications ce soir, je m'opposerai à cette délibération. Alors c'est M. Barthelet qui va vous répondre. Brio n'a pas de souci, parce qu'ils n'ont pas d'école, donc ils n'ont pas de problème de recrutement. M. Barthelet.
Tenez, je passe la parole. Oui, bonsoir, chers collègues. Merci, monsieur le maire. Je peux répondre peut-être d'un point de vue RH. Après, pour avoir aussi participé aux commissions, aux différentes commissions entre élus de toute l'agglomération qui ont abordé ce sujet, il est quand même apparu quelque chose de flagrant, c'est que l'école reste un sujet communal très, on va dire, vif au cœur des maires. C'est-à-dire que, de fait, depuis que cette compétence ou semi-compétence avait été transférée à l'agglo, jamais le personnel n'a été géré par Éclat. Aujourd'hui, sur les 38 ATSEM qui travaillent sur l'agglomération, 22 sont salariés des communes, 16 sont salariés d'Éclat. Et d'ailleurs, seulement une personne titulaire. Donc ça, c'est juste l'indicateur qui dit que de toutes ces années, donc ça fait quoi? Ça fait 10 ans maintenant, plus que 10 ans, le chemin n'a pas été fait pour faire en sorte que cette compétence soit pleinement saisie par Éclat. Donc la question se posait de dire dans quel sens on va. Est-ce que vous voulez faire en sorte que l'école et le recrutement des ATSEM et la gestion des emplois du temps des ATSEM et la gestion du personnel soient faites par l'agglomération, ou est-ce que vous voulez garder la main, comme en fait ça fait toutes ces années que vous voulez garder, que les maires veulent garder la main et travaillent à garder la main. Et c'est cette question-là qu'on doit répondre, toutes les communes doivent répondre aujourd'hui, finalement. En commission, la réponse qui a eu lieu dans toutes les commissions, c'était de dire, les maires disent, nous, on veut garder la main sur notre école. On veut garder la main sur le personnel et on gère nous-mêmes le personnel. Donc si la réponse, et toutes les communes disent ça, à la fin, il faut revenir à cette règle-là. Alors, ce qui a été aussi dit pour faire avancer les choses, parce que jamais un service de remplacement n'a été mis en place. Et donc là, la proposition qui est faite, qui a été faite, et ça a été un des sujets de commission, c'est de dire peut-être que la prochaine étape qu'on peut envisager, c'est qu'on revienne à une situation normale, à une situation, on va dire, d'équilibre, où les agents sont bien recrutés par la mairie d'attache de l'école, comme c'est le cas aujourd'hui, au final, et ils sont payés par la mairie, plutôt que de refacturer ça à l'agglomération et qu'après, elle retire ça de la CLEC. Enfin, aujourd'hui, on est vraiment dans une situation complexe que je vous embrouille presque tellement la situation est elle-même complexe sur ce sujet, parce que, comme d'habitude, on était sur quelque chose qui était à mi-chemin, avec des personnels embauchés par une collectivité, gérés par une autre et payés encore par une autre. Et ça passait par trois canaux financiers pour gérer cette refacturation-là. Donc là, la proposition, c'est de revenir à une situation claire et nette. L'école, c'est la commune. L'ensemble du fonctionnement de l'école, c'est la commune. Et demain, au lieu de faire une espèce de mutualisation forcée, comme à l'époque, pour bénéficier de bonifications de dotation d'État, eh ben on fait dans le sens où ça devrait se faire, c'est-à-dire, petit à petit, on crée de la mutualisation. Et là, peut-être que la prochaine étape sur laquelle il faut qu'on envisage de travailler, c'est de dire, la prochaine étape de mutualisation, c'est de se mettre d'accord sur un système de remplacement. C'est par ça qu'on aurait dû commencer à l'époque. À l'époque, on a juste dit, on prend la compétence à Éclat, mais les personnels, comme je vous le dis, 22 sur 38 sont encore salariés des communes aujourd'hui. 10-15 ans après ce transfert de compétences. Donc voilà, reconstruisons la mutualisation à partir de bases plus claires et plus saines. Oui. Toutes ces questions-là avaient été posées au moment de l'adoption du transfert de la compétence petite enfance en son temps. Et si on prend en parallèle ce qui se passe pour le fonctionnement des remplacements des enseignants, on a bien un corps de titulaires remplaçants, de titulaires, qui, eux, ont un statut clairement rédigé avec des frais de déplacement, qui inclut la possibilité de se déplacer. Parce que là, en plus, ce qui se posait, c'est la question de se faire déplacer des personnels embauchés par une collectivité pour aller travailler ailleurs. Et nous savons que dans les déplacements, il peut toujours se passer quelque chose. Donc reprenons avec le plus important, évidemment,
Un élément déterminant vient d'être exposé par M. Barthelet. La seconde étape, c'est de, comme il vient d'être dit, aller, si nous voulons une mutualisation, et si nous la souhaitons tous et toutes autour de la table du Conseil d'Aglo, c'est de travailler à la création d'un service de remplacement, mutualisation, mais cette fois-ci avec tous les éléments et tous les moyens pour que ça fonctionne bien et que ça soit clair pour tout le monde, notamment pour les personnels et pour la gestion du service. De toute façon, le constat avait été fait que ça dysfonctionnait et c'était une volonté de tous les maires d'aller en ce sens-là, donc ça me semblait difficile de ne pas faire des modifications. On va passer... Oui, M. Bois. Oui, j'écoute les échanges avec intérêt. Donc, du coup, Éclat ne rend pas la compétence. Ah ben non, ça revient aux communes. Non, mais non parce que soit, si Éclat rend la compétence, Éclat ne va pas prendre un service de remplacement pour ses personnels. J'essaie de comprendre, mais... Non, mais on travaillera avec les communes concernées à mettre en place un service de remplacement qui n'a jamais pu être mis en place jusqu'à présent. Ouais, ça peut être un service, service mutualisé. Ouais. Support ville. On discutera avec... Non, mais ça peut être que support ville, parce que si on rend la compétence, ça peut On discutera avec les maires concernés en temps et en heure. Ouais. Ouais, c'est un service de remplacement. Oui. Enfin, le seul problème, c'était le remplacement. Donc, en fin de compte, il y aura les agents qui seront dans chacune des communes, et à chaque fois qu'on remplacera, ça reviendra à la ville, comme on était. Non. Ce sera simplement un jeu d'écriture différent. Non, mais c'était une volonté de tous les maires qui étaient réunis autour de la table. Donc il y a un moment, quand tout le monde va dans le même sens, on va pas. C'est difficile de faire l'inverse. Hein. Voilà. C'était un constat d'échec de ce transfert. Voilà, ça a été le constat fait par tout le monde. Donc il y a un moment, il fallait prendre une décision. On a pris cette décision et il faut délibérer ce soir pour approuver cette décision. Oui, mais l'échec était sur le remplacement, monsieur le maire. Donc si on recrée le même service... Pas que. Entre autres, essentiellement. Non, pas que. Il y avait aussi le statut des personnels, et des gens qui travaillaient embauchés dans une commune qui allaient travailler dans une autre. Enfin, c'était sans convention. Enfin, il y avait des choses complètement obsolètes. Et ce qui veut dire que si les gens avaient eu un accident pendant leur trajet, ils n'étaient pas couverts. Donc c'est aussi pour corriger ces situations que cette décision a été prise. Allez, on va passer au vote. Qui est contre ? Un vote contre. Qui s'abstient ? 6 abstentions, et donc c'est adopté. On va passer à la délibération suivante, donc c'est le casino, choix du mode de gestion, approbation du principe de concession de service public relatif à l'exploitation du casino. Donc je vous rappelle le cadre juridique, l'article L1411-4 du Code général des collectivités territoriales prévoit que les assemblées délibérantes des collectivités, de leurs groupements, et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l'avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l'article L1413.1. Elle statue au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire. En application de ce code, la commission consultative est consultée pour avis sur tout projet de délégation de service public. En outre, l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos prévoit dans son article 3, pour la désignation de l'exploitant d'un casino, les communes qui entrent dans le champ de l'article L321-1 du Code de la sécurité intérieure subvisées sont soumises en cas d'ouverture et de réouverture d'un casino, ainsi que lors du renouvellement du cahier des charges aux dispositions des articles L1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Donc, en vertu de cet article, le conseil municipal doit se prononcer sur le principe même de la concession, au vu d'un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le concessionnaire. Donc, la ville de Lons a délégué l'ouverture et l'exploitation du casino à la société nouvelle du casino par convention et délégation de services publics. Elle arrive à son terme le 29 mars 2024. Les locaux donc, sont situés au boulevard de l'Europe. Et une des particularités, c'est qu'ils appartiennent à 99,99% à la société du casino. Donc le casino, il y a des jeux traditionnels, il y a des machines à sous, il y a des jeux électroniques. Et donc la ville de Lons envisage de procéder à la passation d'un nouveau contrat de concession de services publics, conformément aux dispositions des articles
L1411-1 et du code et suivant du code général des collectivités territoriales. La CCSPL, qui s'est réunie le 5 mai 2023, a émis un avis favorable. Afin de permettre au Conseil de se prononcer sur le principe d'une concession et joint le rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations attendues du concessionnaire. Ce rapport expose notamment les motifs qui conduisent à proposer le principe d'une concession plutôt que d'une régie, le type de contrat proposé et les principales caractéristiques des prestations attendues du futur concessionnaire. Donc il est proposé aux caisses municipales, vu les articles du Code général des collectivités territoriales, vu les dispositions du Code de la commande publique, vu l'avis favorable de la CCSPL du 5 mai 2003, le Conseil municipal, après délibération, se prononce en faveur d'une procédure de concession de services publics pour la gestion, l'exploitation et l'entretien du casino d'Once, au regard du rapport présenté. Dit que cette concession fera l'objet d'une convention d'une durée de 15 ans, dont les principales caractéristiques sont celles décrites dans le document annexé à compter du 30 mars 2024. Autorise Monsieur le maire à engager toute démarche et à prendre toutes les décisions utiles à l'exécution de la présente délibération, en particulier pour la mise en œuvre et le bon déroulement de la procédure de concession de services publics. Et autorise le maire ou son représentant désigné à mener la procédure de publicité et de mise en concurrence prévue par les articles L1411-1 et suivant du Code général des collectivités, notamment après avis de la commission prévue à l'article L411-5 du Code général des collectivités. Adresser la liste des candidats, à présenter une offre, à négocier avec un ou plusieurs candidats ayant présenté une offre. Voilà donc le calendrier en fait qui va s'établir à partir de maintenant. C'est au mois de juillet, c'est lancement de la publicité pour la future DSP. Juillet-août, c'est recueil des candidatures. Septembre, recueil des offres. Octobre, négociation avec les candidats. Et donc il y aura un conseil municipal spécifique le 6 novembre pour valider le choix des candidats, puisqu'on est tenu par des délais très particuliers. Donc ni le conseil municipal du mois de septembre, ni celui du 21 novembre ne permettaient de valider, donc on rajoute un conseil municipal spécifique. Et donc sur ce dossier, on a accompagné par le CIDEC, qui est pour l'étude et pour la relance de cette DSP. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité, merci. La délibération suivante, c'est l'abattoir municipal. Donc là, on avait voté le 26 septembre 2002 un avenant de prolongation d'une DSP d'un an. Il s'avère que c'était insuffisant. Donc là, on vous propose de repasser un avenant pour une DSP courte de 5 ans, le temps que le futur projet puisse se mettre en place et puis qu'on change de mode de gestion, puisque à terme le but c'est qu'on ne fonctionne plus avec une DSP mais soit avec une SIC ou une SEM, voilà, ou une autre forme juridique qui permette que la collectivité ne soit pas la seule à porter les risques de reconstruction d'un nouvel abattoir. Donc la DSP actuelle se finit dans un an, donc c'est pour ça qu'il faut avant le 29 février 2024. Donc, suite à la prolongation d'un an, et on vous propose donc de prolonger de 5 ans cette DSP courte. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur ce sujet? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. On passe à la question numéro 5, donc c'est cette session du tènement de Montciel. Donc vous avez sur table une délibération qui a été modifiée. Il y a eu un complément de mis et puis surtout un plan en couleur qui permettent de mieux comprendre le projet. Donc petit rappel, donc la déconstruction a été enfin terminée il y a quelques semaines. Il aura fallu attendre plusieurs dizaines d'années pour que cette verrue disparaisse de l'entrée de ville. Et c'est vrai que cette entrée de ville a fait le principe de nombreuses réflexions. On a été sollicité à de nombreuses reprises, notamment par des grandes surfaces. Et c'est vrai qu'il était
pour nous pas cohérent qu'une nouvelle grande surface s'installe sur ce tènement. Plusieurs réflexions ont été menées, éventuellement pour la résidence Habitat Jeune, mais le projet donc se fera à côté de la résidence étudiante. On a étudié aussi la possibilité d'un nouvel EHPAD, et d'autres tènements nous apparaissent plus adaptés. Les locaux d'habitation, juste au-dessus d'une rocade, ça ne nous semblait pas un bon choix, d'autant plus qu'il y a l'île aux Salines, il y a les travaux, il y a des immeubles qui vont sortir de terre, route de Mâcornet, puisqu'il y a déjà un projet de 42 logements qui va être mis en location au mois de juillet, et un autre projet d'à peu près autant de logements qui devrait voir le jour dans les mois qui viennent. Et puis il y avait aussi la réflexion autour des locaux éventuellement pour des associations, et comme entre-temps on a pu faire l'acquisition de l'actuel MGEN, ce tènement ne convenait plus. Et puis nous avons reçu plusieurs entreprises qui étaient intéressées par ce tènement, dont Juratoy. Et ce projet nous a semblé le plus cohérent, compte tenu de la situation de ce tènement qui se trouve sur la rocade. L'entreprise s'est engagée à réaliser un projet respectant la lutte contre le réchauffement climatique, et puis aussi à la volonté de faire une vitrine pour son entreprise et aussi pour la ville de Lons, puisque c'est une vraie entrée de ville. Autre intérêt, c'est que ça rapprochera aussi des salariés de leur habitat, hein, puisque c'est aussi, ça fait partie aussi des... Si on veut lutter, aller dans le sens de la transition écologique, du développement des modes doux, hein, si on peut rapprocher les salaires, les entreprises, les emplois près des lieux d'habitation, donc c'est tout à fait dans le même sens que de ce qu'on veut faire. Et puis donc, on a complété la délibération, je vous la lirai après, si au 31 décembre 2025, l'entreprise n'a pas déposé de permis ou n'a pas fait de projet, ce tènement reviendra à la ville de Lons. Voilà, donc je vais vous lire la délibération. La ville de Lons est actuellement propriétaire d'un terrain d'une superficie de 8645 m², situé au 2 avenue de Montciel et cadastré BI 22, 211 et 212 pour la partie concernée par le présent projet de délibération. Ce terrain ayant pour vocation d'accueillir notamment des activités économiques tertiaires, la société Juratoy est entrée en négociation avec la ville en vue d'acquérir environ 7000 m² de ce foncier disponible. Donc c'est toute la surface qui est en jaune sur le plan. La société Juratoy a confirmé son souhait par une intention signée qu'elle a adressée à M. le maire, dans laquelle elle s'engage notamment à acquérir le tènement à un prix de 90 € du mètre carré hors taxe. Ce prix est compatible avec l'estimation des domaines reçue en date du 12 mai 2002, compte tenu de l'emplacement privilégié et de l'intérêt suscité par ce foncier. Juratoy a pour projet de réaliser sur le bien un programme de construction comprenant notamment des bureaux et des locaux annexes destinés à l'accueil des salariés et de ses partenaires commerciaux, ainsi que des infrastructures pour le stationnement et circulation nécessaires. Il est précisé que parmi les points essentiels au compromis figurent les deux clauses suivantes, condition suspensive d'obtention d'un prêt et insertion d'une clause exceptionnelle de rétrocession, que la vente se fera avant le fin 2023 avec engagement par la société Juratoy d'un projet avant le 31 décembre 2025, faute de quoi les parcelles seront rétrocédées à la commune au prix convenu lors de l'acquisition par la société Juratoy. Donc, le conseil municipal, après délibération, décide la cession du foncier situé avenue de Montciel, cadastré BI 22, 211 et 212, une contenance exacte qui reste à déterminer, puisqu'il faudra faire un bornage, une mesure exacte, mais c'est environ 7000 m², au prix de 90 € hors taxe le mètre carré, au profit de la société Juratoy, dont le siège est situé 13 rue de l'Industrie à Orgelet. Précise que les frais de division et de bornage ainsi que les frais d'acte seront à la charge de l'acquéreur. Autorise M. le maire à signer le compromis de vente correspondant au nom de la ville. Autorise Monsieur le maire à vendre l'édite parcelle à la société Juratoy ou toute autre personne physique. Il y a une petite faute, il manque une lettre, il manque le A. Autre physique ou morale qui s'y substituerait aux charges et conditions subvisées est sous celle ordinaire et de droit et en conséquence à signer l'acte authentique de vente à recevoir ainsi que tout document se rapportant à cette affaire et à faire tout ce qui sera nécessaire pour parvenir à la vente d'édite partielle. Voilà, est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier? Oui, monsieur Bois. Oui, monsieur le maire. Déjà, tout d'abord, merci de nous avoir donné une feuille sur table avec un plan, mais je ne pense pas que c'était réellement pour ça que vous nous avez donné le plan, parce que vous omettez la chose la plus importante dans le changement de délibération, c'est qu'il y avait quand même une erreur assez grave, on allait vous la faire remarquer, et on se serait vraiment opposé, et je pense qu'on aurait rectifié. Parce que vraiment, la vente devrait être conclue avant le 31 décembre 2025. Ça, vous le passez sous silence, mais c'était quand même foncièrement une grosse erreur. Voilà.
Non, mais vous auriez pu le dire au lieu de dire on vous a donné une belle photocopie avec des couleurs. Oui, complété. Oui, mais ça, c'est la méthode Ravier. Voilà. On dit les choses sans vraiment les dire, et puis après, on les transforme, on n'a jamais dit. Oui, 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 vous l'avez dit, vous l'avez lu, mais vous n'avez pas dit la modification de fond. De la même façon, la méthode Ravier, on va l'appeler comme ça, de façon idéologique, vous avez refusé un projet qui amenait 80 emplois sur de la restauration rapide, les hôtelleries. Simplement, la restauration rapide sur Dole, c'est annoncé 80 emplois en plus. Vous êtes opposé par idéologie dans votre programme à cette implantation. Et parallèlement à ça, en même temps, vous favorisiez l'implantation Avenue Camille Pro par en facilitant le déménagement du concessionnaire automobile. Parce qu'on a vendu du terrain pour que ça puisse se faire. Donc, voilà, on est à la fois, on dit, ah non, on ne veut pas, mais en même temps, on s'arrange pour que ça existe quand même Avenue Camille Pro. Bon, les 80 emplois, on les aura. Voilà. Ça sera Avenue Camille Pro au lieu que ce soit sur le tènement de Montciel. Autre point, vous aviez un projet social ambitieux, innovation, enfin c'était formidable. Hein. On peut reprendre les articles dans les journaux. Il y avait de l'habitat inclusif, il y avait un parc générationnel, il y avait un EHPAD, vous l'avez cité. Enfin voilà, on suit tout le temps au gré des moments de tous les projets. Et en fin de compte, qu'est-ce qu'on fait au final? On permet la délocalisation d'une entreprise de terrain d'émeraude, donc il n'y a pas de solidarité territoriale. Et puis en même temps, on ne s'intéresse pas forcément au tènement qu'il peut y avoir sur les zones artisanales économiques d'éclat. Donc pas de logique économique et pas de solidarité territoriale. Donc deuxième écueil, deuxième surprise. Troisième surprise, il faut se hâter de faire les choses, parce qu'il y a toujours des opportunités, il faut aller toujours très vite. Donc on se dépêche d'acheter un McDo à détruire pour 1 million d'euros. Par contre, on met plus de 300 000 euros, et que là participe aussi avec l'assainissement, hein, parce qu'on a dévoyé les réseaux d'assainissement pendant 3 semaines, je me passais pour vous le dire. EDF a été aussi, il y a eu des travaux EDF. Et puis, il y a 273 000 euros de travaux pour la déconstruction. Et on vend 750 000 euros à un emplacement idéalement placé. Voilà. Toute taxe, je parle toute taxe. Oui, parce que 1 million d'euros, le McDo était à détruire. Donc on a payé aussi la déconstruction du McDo pour 1 million d'euros. Voilà. Et le dernier point qui est quand même qui est un peu dans la surprise, Juratoy a toujours communiqué sur le fait qu'il voulait regrouper tous leurs services et leurs entrepôts au même endroit. Visiblement, ici, il n'y a pas la place. Mais bon, bien évidemment, au prix où c'est cédé, c'est un achat d'opportunité qui durera le temps que ça durera. Dans tous les cas, l'entreprise aurait tort de s'en priver. Donc, nous voterons contre cette délibération. Ben, c'est votre choix de voter contre l'avenue d'une entreprise sur la ville de Lens. Alors déjà, je vais répondre au fait de Burger King. Non, voilà. Arrêtez de dire ça. Je vais déjà répondre sur Burger King. Burger King, c'est un projet privé. Burger King, c'est un projet avec Renault. Donc, la ville n'a aucun rapport sur le fait que Burger King éventuellement s'installe à l'avenue Camille Pro. Qui a vendu les terrains pour faciliter l'implantation de Renault sur le haut? Qui a vendu? Ah, mais c'est complètement. C'est moi, je vous ai demandé à l'époque. Mais c'est complètement. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ah oui, mais quand on est le premier magistrat d'une ville et qu'une entreprise demande des terrains supplémentaires pour relier ses entrepôts, il y a sûrement un projet. Moi, je vous ai posé la question au conseil municipal il y a deux ans. Quel est le projet de monsieur le patron de l'entreprise? Il dit, oh ben non, il n'y a pas de projet, il veut simplement relier ses bâtiments. Ben, je veux dire, il faut aller voir un petit peu plus loin, monsieur le maire. Je veux dire qu'à un moment donné, il était évident que si... ce propriétaire qui est un investisseur reconnu de la place de Lons et au-delà voulait relier ses entrepôts, c'est qu'il y a bien un projet. Vous, il n'y avait pas de projet. Alors vous êtes contre le développement d'une entreprise. Pourquoi Renault a voulu s'installer là-bas? C'est pour développer son entreprise. Et c'est un projet économique. Mais ne dites pas que vous n'êtes pas responsable de l'implantation Burger King. Non, on n'est pas responsable, monsieur. Alors là, après, monsieur Defeuille fait ce qu'il veut de ses terrains. S'il a vendu, s'il veut louer, d'abord, s'il ne vend pas, monsieur Defeuille fait des travaux et normalement, on doit louer à Burger King. C'est un projet purement privé. Donc la ville de Lens n'a aucun droit de regard sur ce projet. Donc n'accusez pas la ville sur ce projet de Burger King. Nous, on est complètement dehors. De naïveté, Eh ben c'est encore plus grave, puisqu'on n'est pas naïf. C'est vous qui êtes naïf, puisque vous ne savez pas comment fonctionnent les projets privés. Donc, je vous l'explique. Je ne vois pas, si M. Defeuille veut louer des locaux à Burger King,
je ne vois pas comment, moi, en tant que maire, et le conseil municipal pourrait s'y opposer. Voilà. Nous n'avons aucun élément à ce sujet. Voilà. C'est... Deuxièmement, sur la venue de Jurateuil sur l'Once-le-Saunier, c'est une volonté forte de l'entreprise. Ce n'est pas nous qui sommes allés chercher l'entreprise. C'est l'entreprise qui est venue nous dire, qui est venue nous voir en disant, voilà, on veut se rapprocher, on veut être sur la ville de Lons. Voilà. Donc, à partir du moment où une entreprise qui vient nous voir, qui nous dit, on veut être sur la ville de Lons, c'est quand même normal qu'on discute avec eux. Et on n'a pas de problème avec Terre d'Émeraude, puisque Claude Borca a appelé le président de l'agglo de Terre d'Émeraude. Moi, j'ai appelé le maire aussi d'Orgelais pour qu'il n'y ait pas du tout d'ambiguïté par rapport à ce dossier. Et quand vous parlez du McDo et vous parlez du ténement de Montciel, je vous rappelle quand même que la délibération de 2018, la vente, c'était 400 000 euros. 400 000 euros 450 000 Non, 400 000 euros. Ben, je l'ai sous les yeux. Je peux vous la faire lire, si vous voulez. Je peux la relire. 400 000 euros pour 8 000 mètres carrés. Parce qu'à l'époque, vous vendiez tout. Oui. Là, on n'en vend que 7 000. On n'en vend que 7 000. On n'en vend que 7 000. Voilà. Donc, finalement, on vend même un peu plus cher que ce que vous auriez vendu à l'époque. Sur la vente, bien sûr, il n'y avait pas la démolition qui est de l'ordre de 350 000 euros. Autre point, on garde... Quelque chose qui va être très, très facile à gérer pour la ville, bon, c'est que la circulation était gérée par le domaine privé. Maintenant, c'est la ville qui va devoir s'occuper de la circulation. Et ce qui est d'autant plus fort, c'est pour desservir des habitations catarues. Parce que les 1500 m² que vous gardez là, enfin qu'on va garder, parce qu'au final, ça va être voté, eh bien, cet espace-là, eh bien, les maisons qui sont à côté sont à Montmoreau. Oui. Ça aurait été plus simple que ça soit à gérer comme on avait l'idée par le propriétaire foncier, parce que si on reprend un peu l'historique, c'était un coup de force historique de desservir ces maisons. Vous replongerez dans ce qui s'est passé il y a 20 ans. Vous oubliez un élément, c'est que sur ce ténement, il y a des réseaux qui passent. Oui, ben vous les avez fait passer par là. Oui, parce qu'il fallait les dévoyer. Donc c'est normal que ça reste dans le domaine public. Ça me semble logique. S'il y a des réseaux d'assainissement qui passent, ça reste sur le domaine public de la ville de Lons. Ça me semble tout à fait logique. Donc je ne vois pas pourquoi on transférerait ça à un privé avec les problématiques que ça pourrait poser plus tard. Voilà. Oui, merci monsieur le maire. Je voulais revenir quand même à l'essentiel de cette délibération, puisqu'on est censé parler d'une entreprise de jouets. On a réussi à parler de deux enseignes de burgers en même temps. Donc c'était plutôt cocasse. Mais parce que c'est lié. Je ne suis pas sûr, non. Moi, je pense qu'il faut... je pense sincèrement qu'il faut plutôt voir l'opportunité pour la ville de Lons-le-Saunier, et je dirais même pour l'identité de la ville de Lons-le-Saunier, d'avoir une entreprise comme Jurateuil qui s'installe et qui décide de s'installer sur nous. D'une part, parce que ça démontre que tout le travail qui a pu être mené à la fois par le passé et aujourd'hui démontre qu'il y a une attractivité de la ville, y compris pour des entreprises, de s'implanter sur le bassin de Lons-le-Saunier. On peut collectivement être plutôt fiers. Deuxième point, quand je parle d'identité, c'est que c'est plutôt intéressant. On a quand même plusieurs choses qui permettent de mettre en valeur la particularité de Lons-le-Saunier autour des entreprises telles que la Vache qui rit, autour des entreprises belles, autour de SKF, mais là en l'occurrence du jouet. Je trouve que ça nous permet quand même de mettre en avant une identité moderne qui colle à un public plutôt intéressant, de bien être, de bien vivre sur le territoire. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui est à mettre en valeur. Ensuite, vous avez parlé d'une concurrence territoriale entre des territoires les uns aux autres. Je pense qu'il faut là aussi bien reprendre aussi le contexte environnemental et législatif qui est en train de nous percuter. Il y a quand même la loi climat et résilience qui fait qu'il va y avoir des ressources foncières de plus en plus rares à l'échelle de la région et du Sraddet, donc du pays lédonien, qui va créer comme conséquence, avec cette rareté du foncier, que nous allons avoir à l'échelle du pays lédonien là aussi, beaucoup d'entreprises qui souhaiteront s'implanter sur le territoire et qui vont avoir du mal à trouver du foncier. Donc, dans le cadre de ce que l'on est en train de voir, c'est-à-dire une entreprise qui est située sur Terre d'Emeraude, si vous le connaissez, avec deux sites finalement, à Jurateuil, qui s'implante en un sur Lons-le-Saunier, cela crée aussi des opportunités pour deux entreprises de pouvoir s'implanter sur l'intercommunalité de Terre d'Emeraude. On le sait aussi parce que, je le vois par l'Agence économique régionale, qui nous stipule à plusieurs reprises
qu'il y a des manques de foncier à Moirans en montagne, à Orgelet, c'est une réelle opportunité pour de nouvelles entreprises. Donc en réalité, on peut plutôt être positivement, on peut voir les choses plutôt positivement d'une entreprise qui a besoin de s'agrandir, qui a besoin de coller avec la réalité de ses employés, qui veulent s'implanter aussi sur un nœud de communication auquel on se soignait, et donc qui le fait à la fois pour le bien-être des salariés et pour l'intérêt du développement de leur propre entreprise. Ça libère aussi pour Terre d'Emeraude du foncier disponible pour permettre d'accueillir de nouvelles entreprises derrière. Je pense qu'il faut vraiment le voir de ce côté-là, parce que tout ce qui est en train de se créer et les conséquences de la loi climat et résilience fait que le foncier devient de plus en plus rare, et je dirais même de plus en plus rare pour l'attractivité économique et pour le développement des entreprises qui souhaitent s'agrandir. Donc je pense qu'il faut vraiment le voir de ce point de vue-là. Identité pour la ville de Lons-Saulnier qui va s'améliorer grâce à cette entreprise-là, et puis les problématiques de foncier qui font que sur Terre d'Emeraude, il y aura toujours besoin de foncier. Donc je ne suis pas inquiet du tout pour Orgelet. Là, vous me dites que les entrepôts seront sur ce tènement. Non. Deux en un. Je vais reprendre les choses. Il n'y a pas les entrepôts, là, c'est bien ça. Je vais préciser les choses. Actuellement, Jurateuil et Orgelet louent des locaux administratifs. Et ils ont très peu de logistique puisqu'ils louent à l'Alvencher. Et donc, l'objectif pour eux, c'est de faire que des locaux administratifs sur la ville de Lons et de louer sur l'Alvencher entièrement des locaux de logistique. C'est clair et c'est précis de leur part. Et c'est leur volonté de venir sur la ville de Lons. C'est pas nous qui, je rappelle, ce n'est pas nous qui sommes à les chercher. Tous les gens qui, depuis qu'ils ont appris cette nouvelle, nous disent que c'est bien. Il n'y a que vous qui êtes contre. Mais vous prenez vos responsabilités. Je voulais simplement vous rappeler qu'on va quand même vendre plus cher que vous en 2018. Puis, si. La vente, c'était 400 000 euros pour 8 000 m². Pour 8 000 m². Eh bien, après démolition, donc si on ramène à 7 000 m², ça faisait 350 000 il y a 8 ans. Et là, on arrive à 370 000 en ayant payé ce qu'on doit. Donc, on vend plus cher. Ça vous gêne ? Ben, c'est comme ça. Mais ça vous gêne, mais c'est comme ça. C'est une réalité. Les chiffres parlent. Les chiffres parlent. Merci, monsieur le maire. Donc, on va déjà rectifier 2-3 choses, parce que vous nous prêtez déjà, un, des paroles qui ne sont pas les nôtres, mais ça, vous le faites systématiquement, donc on va se permettre de répondre. Quand vous dites vous opposez à l'arrivée de Jurateuil sur Lons-Saulnier, c'est totalement faux. On s'oppose à la vente, au fait que vous bradez ce terrain que vous venez de démolir, que vous venez de dépolluer avec l'argent des Lédoniens, que vous venez le brader, parce que je peux l'employer ce terme, brader peut... Ah, c'est une opportunité très intéressante d'un point de vue financier pour l'acquéreur. Christophe Bois l'a dit, il serait tort de s'en priver. Nous ne sommes pas contre l'arrivée de Jurateuil sur Lons-Saulnier, bien au contraire. Il y a d'autres lieux pour accueillir Jurateuil. Il y a des zones d'activité économique. On en débat suffisamment avec là, qu'elles sont sous-occupées, que les terrains ne sont pas chers, ils ne sont pas occupés. Il faut absolument une politique pour les remplir. Là-dessus, on s'est même opposé, notamment avec Anne Perrin, ou opposé ou au moins abstenu, sur le développement de la zone en Bercail, du fait qu'il y avait peu d'entreprises qui étaient présentes sur les autres zones commerciales et d'activité, pour avoir en plus à aller empiéter sur du terrain agricole. Donc non, nous ne sommes pas contre, et au contraire, nous sommes pour l'arrivée de Jurateuil sur la zone économique de Lons-Saulnier, qui inclut également toute l'agglomération, puisqu'on raisonne également en agglomération. Mais nous sommes contre la cession de ce terrain à des fins économiques pour une entreprise à ce prix-là, alors que tout a été fait avec l'argent des Lédoniens pour le rendre, pour en faire un projet finalement qui aurait été d'intérêt public. Deuxièmement, Monsieur Bourgeois, je pense que le maire de Moirans et le président de l'agglomération, enfin de la Comcom, Terre d'Emeraude sera ravi d'apprendre de la bonne nouvelle de la perte de leur entreprise, puisque vous faites passer en fait la libération d'un foncier pour une chance pour Terre d'Emeraude. Oh, ils vont avoir une chance de ne plus avoir une entreprise, et ils vont s'empresser de pouvoir le relouer à d'autres, sachant que c'est pas un bâtiment ni un terrain qui appartient, c'est pas une zone artisanale, ça appartient à un privé, hein, le terrain et puis le... Non, vous avez joué sur vos mots, vous avez dit clairement que le foncier était tellement rare que c'était, notamment sur Moirans en montagne, le foncier était tellement rare que c'était une chance pour Terre d'Emeraude de perdre son entreprise.
Donc on retiendra que pour Terre des Modes, effectivement, c'est une chance de perdre des emplois à une entreprise. Ils seront très ravis de l'apprendre. Je joue à votre jeu, vous comprenez là, vous voyez, vous faites exactement la même chose. Non, absolument pas. Et quant à la vente de ce terrain et au coût, alors peut-être que vous avez des éléments qu'on n'a pas, monsieur le maire, mais quand vous dites que vous vendez plus cher, certes, mais vous omettez sur les 400 000 euros, c'était même 430 000, il me semble, hors taxe, la vente du terrain, là-dessus, vous rajoutez la démolition, la dépollution, le dévoiement, on est autour de 700 000 euros. Donc vous ne vendez absolument pas plus cher, vous faites simplement une vente 740, vous faites la même vente, 4 ans après, en tenant fi finalement de l'évolution des prix qui a lieu jusque-là, vous nous mettez une estimation des domaines qui date du 12 mai 2022. Entre-temps, on s'est pris une claque inflationniste sur le coût de la vie et notamment sur le prix de l'immobilier. Donc ne nous dites pas que c'est une opération qui est exceptionnelle pour la ville de Lons-le-Saunier. Donc non, nous voterons contre cette délibération. Monsieur Vélin. Oui, sur ce dossier, je pense qu'on a deux confirmations et quand même une bonne nouvelle. Les deux confirmations, c'est d'abord sur la forme. C'est-à-dire que sur un sujet d'importance comme celui-ci, nous allons y consacrer au plus une demi-heure ce soir, en tout et pour tout, en séance publique ouverte aux conseillers municipaux. C'est-à-dire que nous avons eu des commissions voiries régulièrement depuis 3 ans. Jamais le sujet n'a été évoqué. On en a eu une encore il y a 15 jours. Jamais on a eu la moindre information ou la moindre esquisse de débat. Vous résumez ça en 2-3 phrases en disant on a eu beaucoup de propositions. Ben, on aurait bien aimé les voir. On aurait bien pouvoir aimer en discuter de façon un peu dépassionnée parce que c'est sûr que les séances publiques, elles incitent toujours un peu à la passion. Or, on devrait être aussi en séance de travail pour ce faire. Or, là-dessus, nous n'avons pas pu travailler puisque vous avez joué, comme c'est souvent le cas, du secret, de l'opacité, de l'absence de transparence. Et donc, nous avons été informés par la presse, bravo à elle, qui a réussi à avoir l'information. Voilà, donc la presse a eu la primeur parce qu'elle a eu des indiscrétions, tant mieux. C'est comme ça que nous avons appris qu'il était question que Jura-Teuil s'implante sur ce site. Donc, sur la méthode, je dirais que... Christophe a parlé de méthode Ravier. Vu le nombre de démissions dans votre camp, elle doit fonctionner. Puis je pense que la majorité doit être satisfaite, puisqu'il y en a de plus en plus. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne façon de gérer ni une majorité, mais ça, c'est votre affaire, ni le conseil municipal, et ça nous regarde. Sur le fond, je dirais que ce ténement, pour vous, il est un peu maudit, parce que vous avez construit une partie de votre discours politique là-dessus. Vous nous avez fait miroiter beaucoup de choses. Ce à quoi nous arrivons peut être quand même estimé comme décevant ou au moins saugrenu. Et je pense que c'est surtout ce terme de saugrenu, moi j'ai entendu aberrant, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais au moins saugrenu, d'imaginer une entreprise comme Jura-Teuil à cet endroit-là. Franchement, quand j'ai appris la chose, comme beaucoup, j'ai été surpris. Je ne comprends toujours pas. Votre argumentaire ici me paraît un petit peu léger, c'est-à-dire qu'ils étaient volontaires pour venir. Oui, mais enfin, si on avait beaucoup de propositions, on aurait pu peut-être en avoir une plus intéressante. Mais comme nous ne savons pas quelles sont ces autres propositions, on n'en saura pas plus. Moi, je trouve que c'est un mauvais coup à Éclat, parce que depuis plusieurs années, Éclat mène une politique assez ambitieuse de développement de zones d'activité économique. Or là, on a une activité économique qui s'installe dans une zone qui n'est pas véritablement prévue pour. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'on est dans une zone... quand même ce secteur de l'agglomération, ce ventre vide en quelque sorte, hein, qui va finalement de ce tellement de Montciel jusqu'à Jura Transport, il aurait peut-être impliqué d'avoir une réflexion un peu plus aboutie. Moi, je l'avais souhaité à l'époque de Jura Park. Je pense que c'est quand même une thématique et une question d'urbanisme d'avenir. Or, on la règle par une implantation à la petite semaine. Donc moi, je m'opposerai à cette délibération. Pour autant, je vous ai annoncé une bonne nouvelle et j'y tiens. Parce que ça n'a pas été évoqué étrangement, mais je ne doute pas, monsieur le maire, que vous l'ayez bien dit et signifié au probable acquéreur, c'est qu'on a là un site d'une importance considérable au point de vue archéologique. Un diagnostic a été mené en 2019 préalablement à la vente au groupe Bertrand, qui a révélé que nous avions un site nécropole romaine avec un bâtiment dont un des murs mesure plus de 20 mètres de long, ce qui a beaucoup intéressé les archéologues qui étaient bien déçus de ne pas pouvoir creuser sous le bâtiment, parce que c'est nécessairement la partie la plus intéressante, y compris aussi le long de la rue, qui était inaccessible parce qu'il y avait les réseaux.
Il se pourrait bien qu'on ait une nécropole romaine de toute première importance. De toute façon, pour en avoir discuté avec le directeur du service régional de l'archéologie à l'époque, c'est un site qui sera nécessairement fouillé, quoi qu'on en fasse. Donc avoir trouvé une entreprise comme Juratoys qui ait ce souci de l'archéologie et qui soit prêt à mettre une somme colossale, parce que ça va certainement doubler les 90 euros par mètre carré, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Moi qui suis, et comme beaucoup de Lédoniens, un partisan du développement du patrimoine, ce que vous n'êtes pas, en tous les cas ici, on pourra compter sur Juratoys s'ils acquièrent ce ténement pour mener des fouilles auxquelles ils seront obligés pour le plus grand intérêt des Lédoniens. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Merci à Juratoys. Alors je vous rappelle que quand même que pendant 30 ans, vous n'avez rien fait sur ce ténement. Alors évidemment, ça vous gêne parce qu'on fait avancer le dossier, on a bien compris. Deuxièmement, je pense que oui, sur ces dossiers-là, il y a de la discrétion à avoir et c'était un engagement qu'on avait pris avec l'acquéreur. Donc c'est normal que ce n'est pas un dossier qui apparaisse dans les réunions régulièrement parce qu'il y a besoin de discrétion avec les entreprises. Ils le demandent, on respecte leur choix. Deuxièmement, je vous rappelle que quand même, quand vous dites un mauvais coup à éclat, je vous rappelle que l'ONS, c'est quand même la moitié de l'aglo. Enfin, il me semble que l'aglo, l'ONS en fait partie, donc je ne vois pas où est le problème. Et puis, je vais quand même vous refaire une petite leçon de mathématiques, parce que ça me semble quand même indispensable. Parce que quand on vend 7000 m² à 90 euros, ça fait 630 000 euros de revenus. Vous êtes d'accord jusque-là? On a eu 260 000 euros de frais. 260 000 hors taxes. Donc, on arrive... Si on... Ben, moi, j'ai le chiffre, on m'a donné 260. Voilà. Est-ce que je peux finir ma démonstration, s'il vous plaît? Donc, il nous restera 370 000 euros pour 7000 m². Quand vous vouliez vendre 8000 m² pour 400 000 euros, si je ramène à 7000 m², ça faisait 350 000 euros pour 7000 m². Donc, CQFD, on vend bien plus cher ce que vous vendiez en 2018. Merci, Monsieur le maire. Je suis un peu surpris de la teneur des débats, mais même de l'accueil qu'on souhaite réserver à cette entreprise qui souhaite venir sur l'ONS. Moi, je pensais qu'on puisse être, ou je rêvais peut-être qu'on puisse être unanime à cette perspective. Pour nous, le développement économique de la ville de l'ONS, c'était un peu une grande oubliée, on va dire, ou en tout cas un enjeu pour nous de mandat. Alors pour vous, le développement économique à cet endroit, de manière générale, c'est on met de la bouffe, de la malbouffe à cet endroit, on sera content. Et si on peut mettre des entreprises qui apportent du travail et des travailleurs dans des bureaux en centre-ville de l'ONS, non, on va plutôt imaginer aller les mettre dans une zone d'activité au fin fond au bout de l'agglomération. Ça, c'est quand même une conception du développement économique, on va dire, 20e siècle, quoi. Aujourd'hui, là, l'entreprise dont on parle, aller lui dire « vous allez aller dans une zone d'activité », c'est quand même complètement méconnaître le fonctionnement de cette entreprise et d'où viennent les salariés, où ils habitent, où ils travaillent et quel type de travail ils font. Ce serait absurde d'imaginer, parce que c'est déjà le cas aujourd'hui, d'imaginer les mettre dans une zone morte, comme on faisait le développement économique à un moment. Tout le monde prend sa voiture le matin pour aller... se paumer au milieu d'une zone d'activité pour faire du travail du bureau. On parle pas d'entrepôt ou d'atelier ici. On parle de 80 personnes qui sont globalement dans des bureaux, qui sont dans des services marketing, achats, etc. Donc en fait, on les aurait mis dans un bâtiment au centre-ville, dans des bureaux sur deux étages, l'ancien immeuble du Progrès, par exemple. Ça passait pareil, c'est le même type d'activité. Et là, peut-être que vous auriez rien dit à ce moment-là. Donc, se dire que on va faire venir 80 personnes actives qui vont revitaliser forcément un quartier parce qu'ils vont dynamiser quand vous avez 80 personnes qui arrivent dans un quartier pour le matin, le midi, le soir, forcément ont des activités qui sont à proximité. Se dire que ces 80 travailleurs-là, la ville de Lons ne souhaite pas les accueillir unanimement, moi, ça me fait aussi un peu mal au cœur personnellement parce que je trouve qu'on n'est pas à la hauteur de cette pas chance, mais de cette
belle perspective qu'on offre et pour une bonne partie à des habitants de notre agglomération. On offre à une bonne partie de nos habitants de l'agglomération la perspective de venir travailler à Lons-le-Saunier le matin pour cette entreprise Juratoys. Et vous, non, vous préférez qu'à cet endroit, on y mette pour 30 000 euros de moins de la malbouffe et que cette entreprise aille au fond de l'agglo. Donc franchement, je ne comprends vraiment pas du tout ce qui vous dérange dans cette proposition. Où j'ai envie de dire, je crois que ce que je comprends, c'est ce que dit le maire, c'est qu'en fait, ce qui vous dérange, c'est qu'on fasse une proposition qui soit cohérente avec l'air du temps et qui soit en accord complet avec nos priorités de mandat et nos engagements de campagne. Et que ça, c'est quelque chose que vous n'aviez pas en stock ou que vous n'aviez pas prévu de faire. Et du coup, ça vous dérange qu'en fait, qu'on réussisse à faire de cet emplacement enfin un vrai emplacement dynamique de notre territoire plutôt qu'une ancienne friche ou un temple de la malbouffe aux portes de la ville. Donc là, moi, je vois plutôt de votre part un constat d'échec de votre part ou alors de la jalousie. Mais en tout cas, je suis déçu qu'on ne puisse pas être unanime sur ce sujet qui le mérite vraiment largement. Est-ce que vous pouvez être sur les faits et pas sur des supputations psychiatriques ? Merci. Supputation psychiatrique. Bon. Sophie Albinski, je veux prendre la parole. Oui, je voulais juste, monsieur le premier adjoint, vous dire que je pense que les élus de l'agglomération, tant les maires que les conseillers municipaux des communes qui concernent les zones d'activité de l'agglomération, seront ravis du terme que vous avez utilisé de zone morte. Je crois que c'est la première fois que j'entends parler de zone morte. Tant sur l'agglo qu'au sein de cette instance, c'est très choquant. Et puis pourquoi les salariés de Juratoys ne pourraient se rendre sur des zones que vous appelez mortes quand il y en a d'autres qui travaillent à demeure depuis des années? Enfin, j'avoue que là, c'est une bourde pour moi, parce que le terme de zone morte, c'est lourd de conséquences quand même. Et il faut vraiment arrêter de faire des pistes cyclables qui ne servent vraiment plus à rien, parce qu'on ne va pas aller se perdre au fond. Bon, effectivement, je vois qu'elle n'est pas très utilisée vers Conliège, parce qu'il y a un beau bitume, un gros trottoir. Je ne vois jamais personne sur cette piste cyclable. Mais effectivement, si la conception, c'est-à-dire qu'il y a des zones mortes dans les périphéries Revigny, Conliège ou Courlaou, alors il y a aussi les autres zones, il faut arrêter les pistes cyclables. Je te les reprends la parole. Rapidement, parce que pense que soit mes propos étaient mal interprétés, soit ou alors j'ai pas dit ce que je pensais, mais je pense avoir dit fin fond et pas zone morte. Et du coup, ce dont je parle quand je dis le développement, c'est quoi le développement économique auquel on aspire? On a toujours ce débat, d'ailleurs, au Conseil communautaire à chaque fois, sur le développement de nos zones d'activité économique. Comment est-ce qu'on maximise l'utilisation du foncier de nos zones économiques? À chaque réunion du Conseil communautaire, on dit les parcelles qu'on vend à Messia, entre autres, sont trop grandes par rapport au nombre d'emplois qui y sont. On est bien d'accord qu'on a tous ce débat-là, qu'on est tous en train de dire le foncier est rare. À Messia, en particulier, il ne faut pas qu'on le vende trop largement, avec trop d'emprise foncière. Et là, on est sur une entreprise de bureaux qui n'a donc pas à aller consommer du foncier de ces entreprises industrielles et artisanales qu'on met dans les zones d'activité économique. Donc, loin de moi l'idée de dire que les zones d'activité économique de l'agglo sont secondaires. C'est qu'à un moment, l'immobilier de bureaux n'est pas forcément idéalement situé dans une zone d'activité économique en dehors de l'hypercentre. C'est aussi simple que ça, ce que je voulais dire. Donc ne pas consommer le foncier inutilement des zones d'activité économique qui ont besoin de garder du foncier pour pouvoir continuer à permettre le développement de l'artisanat et de l'industrie sur notre territoire. Donc là, il faut absolument qu'on garde du foncier, puisque c'est le débat qu'on a à chaque fois au Conseil communautaire. Vous êtes presque les premiers à le dire, à en faire la remarque. Et aujourd'hui, vous voulez qu'on aille consommer encore plus de foncier pour mettre du bureau. Donc non, le bureau, c'est fait pour les centres urbains. Et gardons ce foncier dans des zones dynamiques d'activité et qui ne sont pas des zones ni mortes, ni rien d'autre, mais qui sont des zones pour lesquelles on doit garder du foncier
d'industrie et d'artisanat. Parce que si je pousse un peu plus loin la réflexion, ça veut dire que tous les emplois tertiaires, ils ne doivent pas être sur la ville de Lons, quoi. Si on écoute vos propos par rapport à la future implantation de cette entreprise qui n'amène que des gens dans des bureaux. Donc on a un petit peu de mal à comprendre, effectivement. Claude Borcard. Moi, je voudrais juste reparler un peu du développement économique à l'échelle des éclats, puisqu'on l'a évoqué. Moi, je n'aime pas trop parler d'éclats ici, mais je vais quand même répondre. La loi climat-résilience a changé clairement la donne par rapport au développement des territoires. On va avoir du foncier beaucoup plus rare, c'est évident, puisque on a un potentiel de la moitié de ce qu'on a utilisé les 10 années précédentes pour développer le territoire jusqu'en 2030, et ensuite ça sera au coup par coup. Donc déjà, il va falloir gérer le foncier de façon très précise. Quand on réfléchit en termes d'aménagement du territoire aujourd'hui, on doit dire là où on installe, mais comment on installe ? Parce que derrière, il faut du réseau, il faut des accès. Aujourd'hui, les gens, ils se déplacent plus comme ils le faisaient auparavant. Quand on rencontre les entreprises aujourd'hui, on nous dit souvent, ben moi, mes salariés veulent venir en vélo. Donc, c'est quand même quelque chose qu'on doit entendre. Et deuxièmement, il faut des réseaux, hein, il faut de l'eau et de l'assainissement. Donc maintenant, quand on raisonne par rapport à ces deux enjeux-là aussi. Et je peux vous dire que côté ouest de Lons, du point de vue technique, pour l'eau et l'assainissement, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, il y a eu un projet qui avait été fait dans les débuts des années 2000 qui s'appelait le PIT, projet d'intérêt technologique derrière l'aérodrome de Courland. Il n'a pas été mené à bien et aujourd'hui, ça pose un certain nombre de questions du point de vue technique. Donc, on est quand même très intéressé aussi par le développement économique. Avec tous ces enjeux que je viens de décrire, sachant également que pour nous, c'est un enjeu encore plus fort, parce qu'aujourd'hui, du point de vue fiscalité, il faut bien comprendre ce qui s'est passé, c'est que nos recettes en matière de fiscalité, elles sont essentiellement, ou en grande partie, portées sur les propriétaires d'un côté et sur les acteurs économiques de l'autre. Puisqu'on n'a plus de taxes d'habitation qui nous reliaient directement aux habitants. Voilà, donc tous ces éléments, il faut les avoir en tête quand on raisonne sur comment on va aménager notre territoire demain. Ce qui explique aussi un certain nombre de choix qui sont faits aujourd'hui dans le domaine du développement des territoires, et pas qu'ici, hein, c'est un peu partout. Et pourquoi on fait aussi des PLUI, c'est aussi parce qu'il faut intégrer une vision plus large du territoire. Merci. Allez, on va passer au vote. Alors, rapidement, parce que je pense qu'il y a déjà eu beaucoup d'interventions. Oui, monsieur le maire, une petite question, puisque vous avez utilement joint le plan sur la nouvelle délibération qui sera sans doute reprise, j'imagine, par la presse, mais... Le problème, c'est que finalement, l'attention de nos concitoyens va plus se porter sur la roquette que sur l'installation du Ratoïs. Or, comme il y a manifestement des discussions secrètes, est-ce que vous vous êtes engagé sur l'aménagement de la rocade avec le patron de Juratoïs? Parce que les Jurassiens seraient, et les Lédoniens en particulier, seraient bien intéressés de savoir si cette rocade va enfin se faire. Parce que, à certaines heures, je ne suis pas sûr que les salariés de Juratoïs qui habitent de l'autre côté de l'Once aillent plus vite ici qu'en allant à Orgelet. Donc je pense que ça serait bien aussi qu'on ait un point de vue un peu cohérent et qu'on sache où on va sur la rocade. Je pense que le patron de Juratoïs serait très intéressé de savoir quand elle va se faire, et nous aussi. Rassurez-vous, il est très, très au fait de la situation. Et puis la rocade, vous devriez savoir que ça ne dépend pas de nous, puisque ça appartient au département. Et c'est une négociation entre le département et l'agglomération. Donc voilà. Donc... C'est en cours, donc vous devriez le savoir, puisque vous avez été élu il y a quelques années déjà. Sujet d'aujourd'hui. Oui, monsieur
10 secondes, monsieur le maire. Simplement, mais voilà tout l'intérêt de ce genre de dossier qu'on aurait pu discuter en commission, ne serait-ce que même il y a 15 jours quand on en a une. Il y a peut-être des informations que vous n'avez pas, parce que votre théorie économique ou de travail du tertiaire en centre-ville, je suis tout à fait d'accord. Après, peut-être avez-vous l'organigramme de la société et savez-vous qu'il y a peut-être 80% des gens de la société qui vivent à Lons-le-Saunier. Moi, je ne le sais pas et j'en suis pas sûr. Alors, si c'est des gens, finalement, qui ne vivent pas à Lons-le-Saunier aujourd'hui, est-ce que c'est des gens qui vont vendre leur pavillon à Orgelais, à Saint-Maur, dans le nord de Lons, pour venir prendre un appartement à Lons-le-Saunier ? Dans ce cas-là, venir en vélo sur le tellement Montciel, j'en serais ravi. Je ne le sais pas et j'en doute. Alors peut-être vous avez l'information. Il y a une bonne, à ce niveau-là. Et deuxièmement, monsieur le maire, je finis simplement. Parce qu'on ne pourra plus revenir dessus une fois que ça sera voté, donc j'en profite. Mais la délibération juste après, et vous nous faites délibérer sur un projet de comment on dit oui, de récupérer en fait des terrains à la vente d'un privé pour la construction d'un EHPAD. Tout en ayant lancé une veille sur le foncier disponible à Lons. Tout à l'heure, vous avez évoqué que vous aviez envisagé un EHPAD. Simplement, dites-nous pourquoi vous ne l'aviez pas. Vous êtes revenu sur peut-être une première veille sur ce terrain pour y construire un EHPAD. Comment mettre un EHPAD au-dessus d'une rocade, ça me semblait quand même pas tellement très judicieux. Voilà, simplement. Deuxièmement, ben oui, le problème de la requête de requalification de la requête, c'est une négociation entre l'aglo et le département. Vous poserez la question au conseil communautaire jeudi, si vous voulez. Allez, on va passer au vote. Qui est contre ? Donc 2, 4, 6, 8 contre. Adopté. Merci. Oui, qui s'abstient, pardon. Mais je n'avais aucun doute sur le vote. Alors, délibération suivante, c'est délégation du droit de préemption de l'établissement public foncier à l'établissement public foncier du Doubs Bourgogne-Franche-Comté. Depuis plusieurs mois déjà, la question de la création d'un nouvel EHPAD sur les territoires de la ville de Lons-le-Saunier est posée. En effet, la récupération de l'unité en Chaudon par les services hospitaliers a impliqué le transfert de 37 lits vers l'unité Edilis. Enfin, c'est un transfert administratif. Cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dispose d'une capacité de 85 lits, donc Edilis, 85 lits d'hébergement permanent. De construction ancienne, la première partie du bâtiment ne permet pas le passage des lits médicalisés et n'est donc plus aux normes d'un EHPAD. La ville a donc souhaité lancer une veille sur les fonciers disponibles à proximité du centre-ville de Lons-le-Saunier pour permettre la construction d'un établissement d'environ 80 places. L'établissement public foncier, institué par l'arrêté préfectoral du 18 janvier 2007, a été créé notamment pour assurer une mission de portage foncier afin d'accompagner les projets des collectivités territoriales. Le PF doit donc être en capacité d'utiliser les outils juridiques existants, lui permettant d'assurer la maîtrise foncière des projets. L'article L213-3 du Code de l'urbanisme permet aux établissements publics fonciers d'exercer par délégation de leur titulaire les droits de préemption définis par le dit Code dans les cas et conditions qu'il prévoit. Par décision du 25 septembre 2007, le conseil d'administration de l'EPF a notamment décidé d'accepter les délégations de droits de préemption se rapportant aux biens demandés en portage par l'EPF. La commune a reçu de maître Héloïse Renaud, notaire à Nuit-Saint-Georges, une déclaration d'intention d'aliéner pour l'informer de la mise en vente des parcelles cadastrées AO 23, 24, 25, 214, 216 appartenant à la société civile immobilière La Fautière pour un prix de 522 000 euros. Conformément à l'article L2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal a décidé par délibération 2023-017 en date du 27 février 2023 de déléguer le droit de préemption urbain à M. le maire pour tous les projets répondant aux principes d'intérêt général définis dans l'article L210-1 du Code de l'urbanisme, quel que soit leur montant. Mais le conseil municipal n'a pas autorisé le maire à déléguer l'exercice de ce droit à l'occasion de l'aliénation d'un bien, notamment à une autre collectivité ou à un établissement public foncier. De ce fait, une délibération du conseil municipal doit donc rendre possible une telle délégation. Ainsi, il est proposé que le droit de préemption urbain sur les parcelles désignées ci-dessus soit délégué à l'EPF, conformément à l'article L213-3 du Code de l'urbanisme, afin que celui-ci puisse procéder aux acquisitions nécessaires au projet évoqué. Donc décide de déléguer le conseil municipal après délibération décide de déléguer à l'EPF du Doubs Bourgogne-Franche-Comté le droit de préemption urbain de la commune sur les parcelles cadastrées
AO23, AO24, AO25, AO214, AO216, décide de confier le portage foncier de l'opération concernée à l'EPF du Doubs-Bourgogne-Franche-Comté, autorise le maire à signer tout document s'y rapportant. Donc vous avez le plan qui a été annexé. Donc le projet, on est obligé de faire une DUP sur l'ensemble du tènement, même si nous n'avons pas la nécessité de tout le tènement. Il y a une personne privée qui en rachèterait une partie. Il y a une négociation qui est menée actuellement par le PF du Doubs-Franche-Comté pour qu'une partie du tènement donc, soit prise par la ville et que l'autre partie soit cédée à cette personne qui est intéressée par ce tènement. Je vous rappelle qu'il y avait eu un arrêté pris par l'ARS pour autoriser la ville à conserver pendant 4 ans, donc en mai 2019, donc qui s'est éteint en mai 2023 pour les 37 lits en Chaudon. Donc là, dernièrement, j'ai renvoyé un courrier au directeur de l'ARS pour qu'on prolonge de 4 ans cet arrêté, nous permettant de conserver, donc, comme je disais tout à l'heure, de manière administrative, ces 37 lits au sein de l'EHPAD Edilis, en attendant là, une construction pour pouvoir loger et faire vivre réellement ces 37 lits sur la ville de Lons, ce qui n'est pas le cas actuellement. Donc là, avec le projet qui vous est proposé, il y a une parcelle à peu près de 4000 m² qui pourrait être achetée et qui serait tout à fait adéquate pour un futur projet d'EHPAD. Voilà, est-ce que vous avez des questions sur ce sujet? Il n'y a pas de questions, monsieur le maire, mais des certitudes. Puisque contrairement à... Enfin, nous avons voté, je le rappelle, une analyse des besoins sociaux réalisée par le cabinet Le Compas, une analyse sociodémographique. Il n'y a que nous qui l'avons votée. Et puis, deuxièmement, on a reçu un petit fascicule que j'ai avec moi d'un autre cabinet qui nous l'a envoyé au bout de 2 ans sur les études prospectives démographiques. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étude ? Qu'aujourd'hui, les 60 ans et plus représentent 5643 individus pour Lons. Si les tendances de ces 10 dernières années se poursuivent, 5730 habitants de plus de 60 ans en 2029. Et les questions que posent les cabinets d'études, c'était formulé à peu près de façon similaire par le cabinet Le Compas. L'offre de services actuels permettra-t-elle de couvrir les besoins de demain ? Et nous sommes là confrontés déjà à la décision contre laquelle nous nous sommes mobilisés, je dis nous, mais pas tout le monde. La fermeture en son temps par l'hôpital de l'EHPAD public hospitalier en Chaudon de 80 lits, qui était à l'époque le plus intéressant, notamment pour le reste à charge des familles et dans la capacité d'accueillir le public dans une diversité sociale la plus importante. Et on a bien compris que les politiques publiques qui sont menées depuis ces dernières années d'affaiblir l'hôpital affaiblissent aussi les conditions d'accompagnement de santé et d'accueil des personnes âgées, qu'elles soient en structure ou dans la ville. La deuxième chose, c'est que, et ça renvoie au dossier de tout à l'heure, notre ABS montre que si nous continuons sur une dynamique de non-accueil de nouvelles entreprises, et il faut quand même dire que quand on crée un emploi industriel, on a un ou deux emplois de services et scolaires et autres qui sont fixés ou qui se développent sur la collectivité, nous devons assurer le développement de la collectivité, donc son rajeunissement. Et c'est pour ça que la délibération précédente, elle est extrêmement intéressante pour l'avenir. Ceci étant, nous aurons à accueillir un nombre de seniors dans des structures diverses, en complémentarité avec des partenaires. Nous aurons besoin d'accueillir plus de personnes accompagnées dans leur parcours de vie. Ça veut dire quoi ? Dans le temps pour réaliser ce genre d'équipement, avec des financements qui, quand même, avec les politiques conduites aujourd'hui, fondent comme la neige par réchauffement climatique, il est extrêmement compliqué de monter ces dossiers et il faut être extrêmement persuasif. Nous sommes mobilisés, mais on en reparlera tout à l'heure, parce qu'on a entendu des choses dans les exposés qui ont été faits.
Mais la résidence Habitat Jeune, elle est en route. Et ça, c'est l'objet de cette fin de mandat. Mais que nous préparons déjà, et nous avons déjà dans les cartons, la deuxième partie du projet social que nous défendions en termes d'équipement structurant, c'est le lancement de ce projet de nouvelle EHPAD en restructurant les trois établissements que le CSAS gère aujourd'hui, pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain dans la dimension d'accompagnement des seniors telle qu'elle est définie aujourd'hui. Et d'ores et déjà, il y a un groupe de réflexion technique qui regroupe les services et évidemment les services extérieurs qui sont en train de travailler, de préparer ce futur grand chantier structurant de la ville qui palliera la fermeture de l'EHPAD en Chaudon. Et nous nous y sommes opposés en autre temps et dans un autre temps, et qui permettra d'accompagner une meilleure adéquation des lits que nous gérons aujourd'hui, plus des 37 lits, pour répondre aux exigences socio-démographiques que nous connaissons bien aujourd'hui et auxquelles nous devons répondre. Alors pour compléter les propos de M. Gaffiot, on est accompagné par l'ARS sur ce dossier. On a rencontré il y a un mois et demi le responsable de l'ARS, qui on le revoit au mois de septembre, et qui nous a fortement encouragés à aller sur ce dossier de reconstruction d'EHPAD, puisqu'effectivement, l'EHPAD d'aujourd'hui n'est plus l'EHPAD de demain, et il y a besoin de locaux qui soient aménagés complètement différemment pour l'accueil des futures personnes âgées de la région. Bois. Oui, comme nous découvrons le dossier, j'ai quand même quelques questions de compréhension sur ce dossier. Je voudrais savoir actuellement combien y a-t-il de résidents à Edilis ? 85. 85. Donc, comment vous pouvez m'expliquer qu'avant Chaudon, il y avait 85 personnes et que là, vous dites qu'il y a eu un transfert des 37 lits vers l'unité d'Edilis et qu'il y a à nouveau 85 personnes ? À la fois à l'ARS et puis au président du conseil départemental, comment, en son temps, les choses ont été arbitrées et réglées pour qu'il ne reste plus que dans la convention qui... J'ai cherché dans les traces des conseils municipaux de 2019 si on avait eu l'information de ce transfert au CCAS. Alors, peut-être que vous avez des archives comme moi, nous étions autour de la table, je ne les ai pas retrouvées. Mais en tout état de cause, des 80 lits qui existaient n'ont été transférés que 37 lits dans le domaine public. Ça veut dire qu'il en manque en route. Mais ce n'est pas nous. Ça a été signé en son temps. Oui, mais, non, mais on revient à cette délibération. Je veux dire, si on lit cette délibération, il y avait donc 85-37. Toutes les personnes autour de la table vont dire, tiens, il y avait 85 en dessous de 37. Il y a 37 qui arrivent en plus. Tout va bien. Non, ce n'est pas du tout ça. Là, en fin de compte, vous réécrivez l'histoire ou... Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe ? Il y avait 85... Il y avait 85. Vous étiez au conseil départemental. C'est moi qui ai fermé. Vous étiez au conseil départemental, M. Bois. Oui, mais c'est... Oui, la réponse est oui. Non, mais vous n'êtes pas sérieux quand je vous dis ça. Bon. Quel est le delta rue Marcel-Paul de Lille ? En train de vous parler des EHPAD publics, ceux oui, mais qui sont... Attendez, ce qui compte, c'est le nombre de lits sur la ville de Non. Moi, je ne suis pas dans un débat moi, public. Moi, je suis adjoint aux affaires sociales. Et l'adjoint aux affaires sociales, il va vous répondre la chose suivante. S'il vous plaît, parlez pas tous en même temps, parce qu'il y a des internautes qui nous écoutent, ils vont rien comprendre. Je vais écrire mon histoire, et puis après, vous direz là où je me trompe. Voilà. Donc, il y a toujours eu 85 résidents à Edilis. À la suite de la fermeture dans Chaudon, il y a 37 lits qui ont été préservés pour la ville de Lons-le-Saunier. Et dans les négociations, et aussi c'est lié aussi au transfert rue Marcel-Paul des 40 lits qui venaient à côté de Champagnole et des Mois, de Vanneau. Voilà. Mais sur la ville de Lons-le-Saunier, on est sur un étiage constant si on garde les 37 et qu'on ajoute les 40 sur le périmètre lédonien. Oui ou non ? On est bien sur un étage complet. Donc maintenant, alors là, on est sur ces chiffres-là. Là maintenant, on dit qu'on veut construire un EHPAD de 80 lits du côté du Solvant. C'est bien ça, j'ai bien compris. Voilà. Donc ça veut dire que ces 80 lits qu'on va construire du côté du Solvant, on va en prendre 37 qui sont
en fin de compte, actuellement non occupés. Il y a 37, il y a un bon tirage de 37. Mais ce n'est pas ça les soucis. Il y a un bon tirage de 37. Arrêtez avec la politique des bons sentiments. Moi, je suis sur les chiffres. Où est-ce qu'on récupère les 43 manquants? Est-ce que le président du conseil départemental a été interrogé? Parce que là, vous êtes en lien avec l'ARS, très bien. Donc, est-ce que vous avez interrogé le président du conseil départemental sur l'autorisation qu'il pourrait donner pour avoir une implantation de 43 lits supplémentaires? Ou est-ce que c'est... Parce que c'était aussi en projet. Là, nous, on était sur la... Parce que ça appartient à, maintenant à Maison pour tous, anciennement à l'OPH. Le foyer Colbert. Le foyer Colbert, les logements sont fatigués. Amianté. Est-ce que vous pouvez aller à peine plus vite dans votre démonstration, parce que je crois que les gens n'y comprennent rien. Là, on est en train de perdre les internautes, je crois. Personne n'y comprend rien. Si vous êtes perdu, moi, je ne suis pas. Je pense que vous êtes un peu perdu aussi. Est-ce que votre objectif, c'est de vider partiellement Edilis pour faire un EHPAD en solvant, au solvant, en récupérant, parce que vous le dites bien, il y a une petite ligne qui veut bien dire ce qu'il veut dire, parce qu'effectivement, il y a un couloir qui est étroit. Et on a une dérogation, il y a une dérogation qui permet de rester EHPAD parce que les pompiers, les services de sécurité l'autorisent. Par contre, effectivement, il serait mieux que ça ne soit pas EHPAD et que ça soit résidence autonomie. Donc, moi, je me dis, et ce n'est pas écrit, que le projet municipal, c'est Edilis transformé dans un mixte 40-40 EHPAD résidence autonomie avec fermeture du foyer Colbert et création d'un, au solvant d'un EHPAD, auquel cas, c'est pour ça aussi qu'on n'a peut-être pas besoin de l'autorisation de M. Pernod, du président du conseil départemental. Ça peut être... Parce que vous ne l'avez pas évoqué, il n'est pas autour de la table ce soir. On est au conseil municipal, on n'est pas au conseil départemental. C'est lui qui est le décideur. Alors, on va... On ne va pas faire l'histoire, mais on fait l'histoire de demain. Allez-y, Mme Claire. Je vais juste apporter quelques précisions. Par rapport à ces 37 places qui, effectivement... Parce qu'on est en commission, là, hein, parce qu'on découvre le sujet. Oui. Alors, les 37 places, elles ont été affectées à l'ONCE, effectivement, sur des places publiques. Bon, les 42 autres places, elles ont été affectées pour Champagnole. Oui. Donc ça, ça n'a rien à voir. Il ne faut pas s'occuper de ça et pas faire 43 plus 37, etc. Oui, on avait récupéré 42 Vano. Non, mais on n'a pas récupéré Vano. Vano, c'est un établissement qui va être là à Marcel Paul, enfin qui va venir à Marcel Paul. Ce n'est pas la ville qui gère cet établissement. Sur le bassin, mais essayez de ne pas vous couper la parole. Je vous rappelle déjà que c'est désagréable pour la compréhension déjà des conseillers municipaux et des internautes. Donc laissez parler les gens et répondez après, s'il vous plaît. Alors, il y a effectivement des gens qui sont en attente d'entrer en EHPAD. Il y en a encore, effectivement. Bon, ça, il ne faut pas le négliger. En plus, de toute façon, c'est l'ARS et le conseil départemental qui décident ensemble de l'implantation d'eux, mais ce n'est pas uniquement le président Pernod. Il faut effectivement déjà que la rédaction d'un appel à projet pour la réalisation d'un EHPAD, elle est lancée par l'ARS, hein, de toute façon. Alors là, je pense que le projet, pour l'instant, il est au démarrage, enfin, je suppose. Est-ce que ce sera un EHPAD? Est-ce que ce sera autre chose? Mais enfin, je ne pense pas que ce soit de diviser Edilis en X places, X places, X places. La volonté, c'est de réaliser de mettre un EHPAD à Lens-le-Saunier supplémentaire de 80 places. En gros, c'est ce que j'ai compris. Et surtout, la volonté, c'est que les 37 places qui actuellement sont juste administrativement au CCAS, on ne les perde pas, parce que vous seriez aussi les premiers, si on les perdait, à nous dire, Monsieur Ravier, vous avez perdu ces places. Et c'est important. Merci, Madame Claire, de votre intervention. C'est important que ces 37 places, elles restent à Lens. Donc, il faut qu'on ait un projet pour les... Mais si je n'en parle pas, qui c'est qui le sait, ça? On a l'impression, votre délibération, vous l'avez lue? Si j'en parle pas, on a l'impression que... Enfin, qui a compris que les 37 lits étaient inoccupés? J'ai dit que c'était... Vous n'avez pas écouté mon intervention au début. J'ai dit que c'était 37 lits qui étaient gérés administrativement, simplement par les Edilis, mais ce n'étaient pas des vrais lits. Je crois que si on la lit, la délibération est très bien écrite, surtout si on réécoute vos propos de tout à l'heure. Vous nous avez dit où est le projet d'EHPAD. Eh bien, le voilà. C'est-à-dire que concomitamment où nous avons voté l'arrivée de Jura Toys à Lons avec des emplois industriels qui vont régénérer la ville, et ce projet d'EHPAD en est à ses débuts, mais pour être un interlocuteur
solide avec nos partenaires que sont l'ARS et le conseil départemental, nous commençons à prévoir où nous pouvons implanter cet EHPAD de façon constructive et cohérente. Par là-dessus est en train de se construire les bases d'une discussion de réécriture de la cartographie d'accueil de nos aînés sur les structures d'accueil, en prenant deux dimensions. L'ABS, les besoins nouveaux, mais deuxièmement, l'évolution des publics accueillis en EHPAD avec la complémentarité d'autres structures d'accueil dans le parcours de vie. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et pour bien construire les choses, nous allons partir aujourd'hui. On sait à peu près où ça va se passer. On sait à peu près le dimensionnement en termes de capacité d'accueil, mais tout le travail que sont en train de faire, et on va les remercier, les services avec l'ARS, va nous permettre d'arriver à des propositions qui incluent les trois résidences existantes, dont Colbert, dont tout le monde sait qu'aujourd'hui, au niveau bâtiment, elle commence à poser problème, les besoins nouveaux, et à partir de ce moment-là, nous allons prendre le temps, comme nous l'avons fait pour la résidence étudiante à partir des éléments qu'on avait quand on a pris le dossier, mais il a fallu qu'on reprenne quand même pas mal de choses, pour revenir, y compris en commission, proposer un projet cohérent qui réponde et qui soit évolutif dans le temps avec un lieu que nous vous proposons de valider aujourd'hui. Parce qu'avoir une surface comme ça à Lons qui permet d'implanter un EHPAD, aujourd'hui on a la possibilité, demain il n'y a rien de moins sûr. Oui, Mme Olbinski. Oui, vous savez, ce qui est désagréable dans les éléments de langage, c'est d'opposer systématiquement le privé et le public. C'est insupportable. Je vous rappellerai quand même qu'heureusement que les privés investissent et contribuent à des missions d'intérêt général parce qu'elles déchargent ainsi les collectivités publiques. Et systématiquement, vous parlez, le privé, vous ne voulez pas en entendre parler. Mais heureusement que nous avons des offres issues du secteur privé sur la ville. On n'a jamais, il me semble, opposé le public au privé. Simplement, on parle des EHPAD. Laissez-moi finir, si vous voulez, Monsieur Bois, mais vous êtes vraiment désagréable. Vous coupez la parole à tout le monde en permanence. Il me semble quand même qu'on parle des EHPAD qui nous concernent, des EHPAD gérés par la ville de Lons. Donc les EHPAD privés, on n'a rien à dire sur eux. Ils existent et il y a des gens qui y vont, et tant mieux qu'ils soient là pour loger des gens. Mais on n'est pas contre eux. Mais simplement, on parle du projet des EHPAD publics. Et il me semble que pour avoir un projet cohérent des EHPAD publics, la première chose à trouver, c'est un terrain. Ce que nous n'avions pas jusqu'à présent. On a une opportunité d'avoir un terrain. Et à partir de ce moment-là, on pourra construire le projet avec les autorités compétentes, que ce soit l'ARS, le département, pour aller vers le dimensionnement correct de cet établissement. Mais la première chose, avant de faire des projets, il faut avoir un terrain. Parce que si on fait un projet et qu'on n'a pas de terrain, c'est peine perdue. Et c'est bien pour ça que nous voterons pour ces délibérations. Simplement, dans les éléments de langage, arrêtez systématiquement d'opposer le privé et le public. Non, on n'a pas opposé. Nous, on n'a pas opposé le privé au public. Mais reprenez la bande. Simplement dit, Madame Olbinski, je n'ai simplement dit la chose suivante. C'est dans les espaces, les EHPAD publics, que le reste à charge pour les familles est le moins élevé. Point. Et ce qui était le cas dans les EHPAD publics hospitaliers, et c'était encore plus le cas dans ce cadre-là. Et si nous voulons avoir une réponse adaptée, évidemment, nous discutons en permanence avec les partenaires associatifs, privés, sur des aménagements ou des propositions de projets. Et c'est clair que nous visons la cohérence d'aménagement, à ne pas se mâcher sur les pieds, et que nous répondions bien sur l'ensemble des besoins dans le parcours de vie. Ceci étant, le monde associatif, il a aussi des difficultés à conduire ses projets. Nous les rencontrons suffisamment et c'est très, très, très compliqué pour eux pour finaliser des dossiers qui étaient jusque-là bien avancés et qu'ils ont aussi besoin d'être accompagnés. Ce qui est important, c'est qu'il y a un projet très intéressant pour nos aînés, pour améliorer leur résidence. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Voilà, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci.
Donc, on va passer au dossier numéro 7, désignation d'un référent déontologue. Donc, je vous passe tous les articles. Mais l'Association des maires du Jura propose à ses membres le partenariat suivant. Mission du référent déontologue. Tout membre du conseil municipal peut consulter le référent déontologue. Alors, je vous rappelle que c'est une obligation hein, qui n'était pas remplie jusqu'à présent, qui est chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes déontologiques suivants. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité, intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêt lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur après la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des concitoyens, des citoyens et de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. Donc, désignation et rémunération du référent déontologue. Alexandre Chiodo est professeur agrégé de droit public à l'Université de Franche-Comté. Il y enseigne notamment le droit du contentieux administratif, de l'urbanisme, des contrats publics, de l'expropriation et le droit des libertés fondamentales. Il dirige master droit de l'action administrative, exerce également la profession d'avocat à la cour, inscrit au barreau de Dijon. Il est proposé donc de désigner M. Alexandre Chiodo pour exercer cette mission jusqu'à la fin du mandat municipal. Il sera rémunéré par une indemnité de vacation d'un montant de 80 euros par dossier, conformément à l'arrêté du 6 décembre 2022 visé. Cette indemnité sera versée par la commune. Modalité de saisine du référent. Le référent déontologue peut être saisi par tout membre du conseil municipal par mail. L'objet du mail devra contenir la mention confidentielle saisine déontologue. Toute demande fera l'objet d'un accusé de réception par mail par le référent qui mentionnera la date de réception. Il étudiera les éléments transmis par l'élu, pourra demander des informations complémentaires et recevoir l'élu afin de préparer son conseil. Les modalités de délivrance du conseil. Le référent déontologue doit exercer sa mission en toute indépendance et impartialité. À cet égard, il ne peut recevoir d'injonction extérieure. Il communiquera l'avis à l'élu concerné dans un délai raisonnable et proportionné à la complexité de la demande. Les avis et les conseils donnés par le référent demeurent consultatifs. Moyen mis à sa disposition, il disposera d'une adresse électronique, d'un téléphone et d'un accès à l'ensemble de la réglementation en vigueur. Donc le conseil municipal, après délibération, désigne M. Alexandre Chiodo pour exercer la mission de référent déontologue pour les élus municipaux jusqu'à la fin du mandat, selon la modalité du partenariat conclu par l'AMJ, selon les modalités décrites ci-dessus. Autorise le maire ou ce représentant à payer les prestations correspondantes, dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2023 et suivant. Donc on vous a aussi mis la charte de l'élu local. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce sujet? Oui, M. Huelin. Oui, Monsieur le maire, c'est une très bonne initiative. Le point 3 me fait sourire après le débat qu'on a eu dans l'avant-dernier conseiller municipal. Donc c'est une très bonne chose. Quant au point 6, il y a ce soir 9 absences, qui fait un petit tiers du conseil municipal. Est-ce que vous pensez que ce référent peut faire améliorer les choses et réduire l'absentéisme au conseil municipal? Merci pour votre intervention. On va passer à la délibération. On va voter déjà. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On va passer à la délibération suivante, la construction de la cité des sports. Attribution d'un fonds de concours. Donc, Monsieur le maire rappelle au conseil municipal que les travaux de construction de la cité des sports sous maîtrise de voirage d'éclat sont actuellement en cours sur les parcelles situées en bordure de la rue du colonel Castelgio, cédées à l'époque à titre gracieux par la ville de Lons à Éclat pour la réalisation du projet. Monsieur le maire rappelle également que la ville de Lons-le-Saunier s'était engagée à participer au financement du projet en complément de l'apport foncier et de l'aménagement des infrastructures de stationnement à hauteur d'un montant complétant
les financements obtenus pour que le reste à charge des classes se limite à 20% du total de la dépense. Cet engagement avait été pris sur la base des estimations d'avant-projet qui s'élevaient à l'époque à 3 174 849 hors taxes pour le coût des travaux, soit 3 895 884,90 toutes dépenses confondues. Considérant la délibération du Conseil communautaire éclat en date du 30 juin 2022, dans laquelle le plan de financement du projet prévoit une participation de la ville de Lons-le-Saunier à hauteur de 338 341,32. Considérant l'augmentation subie par le projet, dont le coût s'élève aujourd'hui à 4 112 385 hors taxes pour les travaux, soit en toutes dépenses confondues à 4 859 756. Considérant que le nombre de licenciés du club principal utilisateur potentiel de l'équipement comprend environ 37% de Lédoniennes et de Lédoniens, considérant les financements attribués de façon certaine par l'État et la région Bourgogne-Franche-Comté, et considérant que le montant du fonds de concours demandé n'excède pas l'apport de financement assuré hors subvention par le bénéficiaire du fonds de concours, le conseil municipal, après délibération, décide d'attribuer un fonds de concours à Éclat en vue de participer au financement de la construction de la Cité des Sports à hauteur de 500 000 euros. Autorise M. le maire à signer la convention d'attribution à intervenir ainsi que tout acte afférent, dit que le fonds de concours sera versé sur les trois exercices 23, 24, 25, ainsi que les crédits seront en conséquence prévus au budget de ces exercices. Voilà, petit rappel, donc au tout début de la première délibération sur la validation de la Cité des Sports, la participation de la ville était de 51 502 euros pour des locaux associatifs, auquel il s'est ajouté un fonds de concours de 227 282 euros. Et lors de la séance du 14 novembre 2019, la ville de Lons avait annoncé qu'elle mettait un fonds de concours supplémentaire de 50 000 euros, ce qui portait à 328 784 euros la participation de la ville de Lons. Lons s'engage à augmenter donc cette dotation à 500 000 euros, soit une augmentation de 52%, ce qui est donc un effort significatif pour la ville. Cette participation se fera verser en trois fois, une partie à l'automne 2023, 170 000 euros, 170 000 euros au mois de mars 2024, et le solde en mars 2025. Voilà, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions ? Oui, monsieur le maire, lors du débat d'orientation budgétaire, nous vous avions interpellé sur l'absence d'inscription budgétaire concernant l'aide apportée par la ville à ce projet Cité des Sports. Vous avez répondu à Christophe Bois qui vous avait interpellé, je cite, « La ville de Lons n'a pas d'argent à mettre en 2023 sur la Cité des Sports. Il est donc normal qu'il n'y ait rien sur ce budget. Monsieur Bois étant élu à l'agglomération, il devrait avoir connaissance de cette situation. » Nous sommes donc très surpris ce soir de cette délibération qui pose un problème pour nous de lisibilité. J'avoue qu'on est un petit peu perdus. Donc il nous est proposé ce soir le versement d'un demi-million d'euros sans présentation du plan de financement. Je pense que c'était important quand même de le joindre à l'alias. Il nous est proposé ce soir le versement d'un demi-million sans inscription budgétaire. Et puis cette délibération, elle ne prévoit pas l'ajustement parce que je suppose que nous sommes encore dans l'attente de réponse de certains acteurs, et je pense au département et peut-être même à l'Europe. Et donc, quid, si ces acteurs donnaient des promesses de subvention dans les semaines à venir, je pense quand même qu'il faut qu'on se mette une marge de manœuvre, parce que le reste à charge d'Éclat, on le sait, doit être au minima de 20%. Mais dans ce cas-là, si des subventions arrivaient, il faudrait que nous, on s'ajuste par rapport à ceux qui sont arrivés tardivement. Voilà, au-delà de ces éléments qui nous posent question, nous voterons bien sûr pour cette délibération qui fait écho à nos recommandations et à nos interpellations lors du DOB. Alors effectivement, on ne l'avait pas mis au budget en 2023 parce que ce n'était pas forcément une urgence pour l'agglo que la ville verse. Il s'avère que sur 2023, on a possibilité de verser une partie de cette contribution, donc on a changé d'orientation, ce qui n'a pas de scandaleux, il n'y a rien de scandaleux puisqu'on a le droit de faire des décisions modificatives, et d'ailleurs les 170 000 euros vont apparaître dans la décision modificative numéro 2 qui sera exposée plus tard, et donc c'était logique qu'on se positionne aussi. Je pense que pour l'agglo c'était bien qu'on se positionne, voilà, à ce, comme on pouvait le faire maintenant, on a décidé de le faire. Le plan de financement, je pense que vous êtes conseillère communautaire, vous devez l'avoir dans la délibération.
Ben, il est dans la liasse qu'on a tous reçue pour jeudi. Ouais. Il est dedans. Donc, ouais. Voilà. Excusez-moi, je vous ai interrompu, monsieur le maire. Mais c'est vrai, quand on a une délibération quand même de ce montant-là, il serait bien d'inclure le plan de financement. Quand même. Je pense que c'est une surprise pour personne, puisqu'on avait déjà eu cette discussion à différentes occasions. Puisque même, là, je crois que la dernière fois, vous m'aviez sollicité pour augmenter la dotation de la ville de Lons, ce qu'on avait déjà en tête. C'est pour ça qu'on passe de 328 000 à 500 000 euros, parce que la ville de Lons ne doit pas couvrir toute l'augmentation du coût, mais c'est normal aussi qu'on participe à l'augmentation des prix des matériaux que subit l'agglo. Et je pense que la participation qu'on annonce aujourd'hui, je pense que c'est un effort important pour la ville de Lons, parce qu'effectivement, 500 000 euros, c'est une somme importante qui va permettre d'avoir un bel outil, mais qu'on aurait peut-être pu mettre dans autre chose. Mais là, on le met aussi dans un bel outil. On a visité encore ce week-end les travaux. Je pense que quand ça va être fini, ça va permettre aux jeunes et moins jeunes qui font de la gymnastique d'avoir des conditions de sécurité et d'entraînement optimum. Et je pense qu'on peut tous être fiers de cette réalisation. Donc c'est pour ça aussi qu'on a choisi, sur ce domaine, d'augmenter notre participation pour montrer que la ville de Lons, contrairement à parfois ce qu'on entend, ne participe pas. Mais si, on participe selon nos moyens, parce qu'on a aussi des budgets, comme toutes les autres communes autour de Lons, à tenir. Et je pense qu'on montre notre appartenance à l'agglomération, et on est fiers d'être dans l'agglo, et je pense que c'est important par cette délibération qu'on montre qu'on a envie que l'agglo avance avec des beaux projets de ce type. Je passe la parole au président de l'agglomération, qui peut peut-être nous donner quelques éléments. Oui, des éléments factuels, hein, c'est ceux qui sont dans la délib qu'on verra jeudi soir. Le coût aujourd'hui de la Cité des Sports dans sa phase 1, c'est à peu près 4 859 000 et quelques. Les financements qu'on a déjà en termes de subventions acquis, donc c'est à peu près 2 560 000 qui sont en grande partie financés actuellement par l'État à un peu plus d'un million, par la région à un peu plus d'un million trois. On attend une confirmation de la part de l'Europe pour 175 000 euros. Et on a encore deux demandes en instance de la part de l'État, complément par rapport à ce que déjà ont été donnés, et le département qu'on a déjà relancé à maintes reprises pour nous donner la participation éventuelle. Donc, il ne faut pas vous inquiéter, les 500 000 de la ville de Lons ne seront encore largement pour Éclair, il restera largement plus des 20% encore à financer. C'est un risque qu'on a pris collectivement au niveau du conseil communautaire, de ne pas s'arrêter en route sur un dossier qui a quand même eu une augmentation très importante. Entre le moment où on avait fait l'APS et le projet d'APD a déjà augmenté, et ensuite à la consultation, ça a beaucoup augmenté. Donc on l'a fait quand même parce qu'on avait engagé des crédits déjà de façon importante. Et puis je pense que quand on voit la salle de gymnastique actuelle, on n'a même plus à hésiter. Voilà, donc on en reparlera jeudi soir. En tout cas, merci de participer aussi à ce complément qui va bien nous aider au niveau de l'agglomération pour pouvoir faire d'autres choses, parce qu'on a des établissements sportifs, des équipements sportifs qui ont besoin aussi d'être réhabilités rapidement. Aujourd'hui, moi, je me bats pour qu'on fasse des investissements qui diminuent les charges de fonctionnement de nos différents équipements. Et c'est autour de ça que tout ce qu'on va récupérer ici, on le remettra pour diminuer les charges sur d'autres équipements. Oui, alors c'est vrai qu'on n'a pas mis le plan de financement, parce que moi je l'avais dans l'alias de l'agglo, donc je l'ai pris dans l'alias de l'agglo, donc j'ai pensé que tout le monde allait l'avoir à disposition. Donc là, actuellement, tel que la délib est proposée pour jeudi, il resterait à charge 1,8 million à l'agglo. En attendant des demandes qui ne sont pas auxquelles on n'a pas eu de réponse. Donc, en intégrant les 500 000 euros de la ville de Lons. Voilà.
Mais on vous fera passer, pour ceux qui ne sont pas à l'agglo, on fera passer le document. Oui, oui, mais ce qu'on observe, c'est quand même que le temps nous donne souvent raison. Et encore cette fois, par rapport au DOB, où je vous avais signalé, et vous avez un peu méprisé mon intervention quand je disais qu'on allait avoir à payer en 2023, le temps nous donne raison. Quand j'entends les difficultés, c'est un choix de me tenser. Et bon, c'est si vous voulez. Oui, mais vous reprenez vos paroles de 2022 sur le budget et vous allez voir, c'était même dans un des quotidiens par rapport au budget. Je suivais pas mes dossiers, vous allez aussi dire, à l'agglo. J'espère qu'on attendra peut-être moins longtemps pour récupérer les 43 places d'EHPAD auprès du président du conseil départemental. Parce que quand je vois comme ça fonctionne bien entre ville et département. Oui, ça. Oui. Ça fonctionnait pas. En tous les cas, on avait réussi à trouver des accords de fonctionnement. Lesquels ? Allez, on va pas venir sur ça. La rocade, elle date de quand ? Ouais, ouais, je pense que là. Ouais, je pense que là, c'est un sujet sur lequel vous êtes. Donc vous sous-entendez que la rocade est à l'arrêt, alors, Madame Perrin ? Pas du tout. Ben non, ouais. C'est pas ce que je dis, simplement. C'est juste insupportable, ce genre de choses. C'est comme si vous n'aviez pas été aux manettes les 20 dernières années, voire les 30 dernières années. Et que on aurait apporté la responsabilité de tout ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui, alors que ça s'ancre en général dans tout ce qui n'a pas fonctionné les années d'avant. Donc ça suffit. En tout cas, sur la partie sociale, heureusement que j'ai fait l'explication de texte. Non. Alors là, franchement, je crois que vous n'aviez pas bien écouté la délibération. C'est pour ça que. Allez, on va voter. Qui est contre ? Qui s'abstient, adopté à l'unanimité. On passe au dossier numéro 9, résidence des tanneurs, mandat de gestion locative à Solia. Donc Solia gère déjà la résidence des tanneurs, donc qui est située à 1 bis rue des tanneurs, 1 et 1 bis. Donc ce bâtiment compte deux bâtiments distincts et comprend au total 17 logements à loyer conventionné, PLS de type T1, T2, et 6 places de parking privatives. Et donc il est destiné à la location à usage d'habitation, à destination privilégiée des seniors. Donc, dès l'achèvement de sa construction en 2018, la commune a décidé d'en confier la gestion locative à Solia Jura, qui est une agence immobilière sociale, ayant pour objet l'accès à l'offre locative des personnes qui éprouvent des difficultés à se loger ou à se maintenir dans leur logement. Donc, un mandat de gestion a été conclu le 30 août 2018 entre l'association et la commune, par lequel le mandataire a pour mission d'accomplir tous les actes administratifs et toute mission de gestion courante. En contrepartie de sa gestion, le mandataire perçoit une rémunération qui est fixée à 4,5% net de taxes sur les loyers et charges quittancées. Ce mandat de gestion avait été conclu pour une période de 5 ans, d'un an renouvelable 5 fois, à compter du 30 août 2018. Donc il convient de poursuivre ce mandat de gestion, donc qui s'arrête le 29 août 2023. Donc on vous propose de repartir sur le même fonctionnement, donc une convention d'un an qui puisse être renouvelée pendant 5 ans. Donc vous avez eu l'avenant qui vous avait été mis dans les documents annexes. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce dossier ? Oui, monsieur Bois. Oui, je voulais savoir, pour faire suite à ce que je viens de dire, il n'y a pas de remarques désagréables sur ce projet, parce que c'est quand même moi qui l'ai tenu avec monsieur Pélissard. Donc, je suis assez surpris. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse des remarques désagréables ? C'est le premier en 3 ans. Merci. Ah bon ? Non. Vous n'avez pas tout bien écouté ce qu'on disait. Allez, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Audit énergétique des bâtiments, public de la commune de Lons-le-Saunier, plan de financement et sollicitation de subventions. Donc un sujet important. La commune de Lons souhaite réaliser des audits énergétiques de son patrimoine bâti. 23 bâtiments ont été sélectionnés. Les objectifs poursuivis pour ce projet d'audit sont de faire un état des lieux du patrimoine sous l'angle énergétique et technique. Construire un plan d'action de long terme permettant d'améliorer la performance énergétique du parc immobilier, notamment dans le cadre du décret tertiaire. Pour ce faire, les mesures portant sur l'amélioration de l'enveloppe et les mesures portant sur la conduite des installations, l'adaptation des usagers, une rationalisation de l'usage ou des modifications sur les installations techniques seront étudiées. La mise en place de solutions renouvelables de type panneaux photovoltaïques, pompes à chaleur, réseaux de chaleur ou chaufferie bois sera également évaluée. Donc le montant de l'opération est évalué à 124 890 euros. Et donc il y aurait une aide de la région de 30 000 euros.
Et avec la récupération du FCFTVA, il y aura un reste à charge pour la ville de 99 381 euros. Donc derrière, vous avez la liste de tous les bâtiments. Et il y a trois bâtiments qui ont été mis de manière prioritaire pour ces études. C'est l'école Briand, c'est le bâtiment des thermes et la résidence étudiant pour lesquels on devrait avoir des résultats fin septembre. Voilà, donc l'agglomération avait déjà lancé le même genre d'opération. Et c'est normal que la ville le fasse aussi, puisque vu l'augmentation du coût de l'énergie, et même sans ça, il est important, pour respect par le climat, d'essayer de consommer le moins possible et d'être le plus efficient possible au niveau du chauffage et du confort des bâtiments. Et ce qui nous permettra après de faire un plan de financement pluriannuel. On attend cet audit énergétique pour pouvoir faire ce fameux PPI, pour voir un petit peu par quel bâtiment on commencera et combien cela nous coûtera. Voilà, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce dossier? Oui, M. Bois. Oui, j'ai une question sur la salle de Savagnia. On en fait quoi actuellement de la salle de Savagnia? Alors, pour l'instant, elle est louée de temps en temps. On l'a mise dans la liste des bâtiments puisqu'elle appartient à la ville de Lons. Après, on verra en fonction de... L'intérêt aussi de ces audits, c'est de voir un petit peu quels seraient les sommes à engager sur différents bâtiments. Donc après, peut-être qu'il faudra faire des choix. Est-ce que le centre aéré de le bâtiment de Savagnia a vocation à rester éternellement dans le giron immobilier de la ville de Lons? Il y aura sans doute une question à se poser, mais je pense que l'intérêt de cet audit, il nous permettra peut-être de se poser les bonnes questions par rapport à certains bâtiments. Est-ce qu'il faut les garder pour les rénover ou est-ce qu'il faut les céder à d'autres personnes? Voilà, ça sera un élément de réponse pour prendre ces décisions. Oui, les bâtiments qui ont été sélectionnés, bien sûr, exclus, c'est logique, les bâtiments qui ont bénéficié du contrat de performance énergétique. Pour autant, il y en a deux que je vois, il y en a sans doute d'autres que vous avez écartés. Je ne reviendrai pas sur l'Hôtel Dieu, j'imagine bien que pour vous, il ne compte pas. Mais je suis surpris de ne pas retrouver le conservatoire, parce que c'est un bâtiment qui appartient à la ville et qui aurait pu être concerné, parce que je pense que la problématique se pose. C'est l'agglo, il me semble, qui gère le conservatoire, non, il me semble. Effectivement, c'est une question intéressante, parce que quand on a un transfert de compétences, on transfère la charge du propriétaire, mais pas la propriété. Donc, si on réhabilite des équipements sportifs, on va leur redonner une certaine valeur. Par contre, la ville en reste propriétaire. C'est la même chose pour le conservatoire et on aura sûrement l'occasion d'y revenir à l'automne parce qu'on aura à discuter du conservatoire à l'automne. Voilà, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. 11, c'est contrat d'assurance dommage aux biens, responsabilité civile résident EHPAD, constitution d'un groupement de commande. Donc les contrats d'assurance dommage aux biens de la ville et du CCAS ainsi que le contrat responsabilité civile résident EHPAD du CCAS souscrit par l'intermédiaire du cabinet Pio agissant pour le compte de la société d'assurance VHV Assurance ont été résiliés par lettre commandée. En conséquence, les garanties s'arrêteront le 31 décembre 2023 à minuit. Face à une conjoncture assurantielle sous grande tension, il est aujourd'hui proposé de couvrir la ville CCS face au sinistre tout en garantissant une équipe financière en établissant un groupement de commande entre la ville CCS en application de l'article L2113-6 du Code de la commande publique. Le groupement de commande ainsi constitué sera compétent pour conclure le marché d'assurance dommage aux biens des deux entités et le contrat RC des résidents EHPAD du CCS. Conformément à l'article L2113-7 du CCP, ce groupement sera d'intégration partielle. Le coordonnateur du groupement sera chargé d'organiser au nom et pour le compte des membres l'ensemble des opérations relatives à la préparation, la passation des contrats jusqu'à leur notification. Chaque partie reste responsable de la définition de son besoin et de l'exécution financière de son ou de ses contrats. Donc la commission d'appel d'offres sera celle du coordinateur. Il est proposé que la ville de Lons soit désignée coordonnateur du groupement afin d'agir au nom et pour le compte du CCAS. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce groupement sont formalisées dans la convention jointe au présent rapport.
Donc, il est demandé au conseil municipal d'approuver la constitution de ce groupement de commandes, approuver le fait que la ville de Lons assume le rôle de coordonnateur et autorise le maire à signer tout document. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Et je passe la parole à Thomas Barthelet. Merci, monsieur le maire. Alors, on est sur le rapport numéro 12, modification du tableau des effectifs pour les avancements et promotions 2023. Donc, on est sur une délibération annuelle qui concerne l'avancement de les promotions internes et l'avancement de grade des agents de la ville de Lons-le-Saunier. Donc, on vous propose cette année, alors, donc 17, il y a 17, cette année, 17 agents qui ont bénéficié d'une promotion interne ou d'un avancement de grade. Globalement, il s'agit de reconnaître l'engagement et le développement des compétences, des responsabilités des agents. Donc, il faut remplir souvent un certain nombre de critères. Et ensuite, il y a des quotas selon le type de poste sur lesquels on peut ou non faire avancer les agents. Ce travail se fait aussi en concertation avec les chefs de service, le N plus 1, le N plus 2... et puis en concertation avec les représentants du personnel pour arriver au résultat qu'on vous propose aujourd'hui, c'est-à-dire ces 17 avancements pour ces agents, et puis un agent qui change de filière, qui passe d'adjoint d'animation à adjoint du patrimoine. Donc voilà, donc on vous propose d'ailleurs de féliciter les promus, d'approuver la création des postes tels que présentés ci-dessous au 1er juillet, d'approuver la suppression des postes du grade d'avant-avancement au 31 décembre. Et on dit que les crédits sont inscrits au budget, au chapitre 012, et on charge le maire de signer tous les documents relatifs à ces avancements et de procéder aux nominations. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On passe à la délibération numéro 13. Merci, merci pour eux. Sujet numéro 13, participation employeur au ticket repas. Alors, comme vous le savez, ou si vous ne le savez pas, on propose de longue date, depuis 1982, aux agents de la ville une participation à leur repas s'ils vont au restaurant municipal. De tout temps, la participation était de l'ordre de 12 francs jusqu'en 2012, donc en 2002. 2002, on est passé à l'euro, ça a dû passer à 2 euros. Donc on est à peu près à 12 francs. Mais depuis, la participation n'avait pas évolué. Donc dans notre volonté d'améliorer un peu les conditions des agents et de suivre aussi l'évolution des tarifs pratiqués notamment par le restaurant municipal, on vous propose de passer de 2 euros à 3 euros cette participation employeur. Voilà, ce qui est 50% d'augmentation, mais si on regarde la non-augmentation depuis 40 ans maintenant, c'est presque pas une énorme augmentation au final. De dire aussi que cette proposition, elle est faite en concertation avec l'ensemble des autres collectivités, puisque, comme vous savez, on essaie d'harmoniser les pratiques d'œuvre sociale ou, de manière générale, les pratiques de gestion des ressources humaines entre la ville, le CCAS et l'agglomération. Et donc cette proposition, elle était faite en concertation. Elle est faite aussi en concertation avec l'agglomération Éclat et puis le CCAS, et qu'elle a recueilli un avis unanimement favorable de la part du comité technique. Voilà. Donc, et aussi rappeler que on propose aux agents une participation au repas pris au restaurant municipal, parce que c'est aussi une volonté de continuer à maintenir et à privilégier cet outil municipal, qui est d'ailleurs au service de tous les salariés, qu'ils soient du public ou du privé, municipaux de la ville, de l'agglo, du CCS ou d'autres collectivités ou d'autres entreprises, qui est aussi au service des jeunes et des moins jeunes, donc des actifs et des non-actifs, et puis des lédoniens, des non-lédoniens. Donc voilà, c'est aussi c'est un débat qu'on a eu, mais c'est un vrai choix de continuer à dire c'est un outil municipal qui convient de privilégier et de continuer à développer et d'encourager nos agents à aller y manger, puisqu'on y mange sainement et pour pas cher.
voilà, les 3 euros, ça paye à peu près le dessert. Ou l'entrée, c'est vrai. Ou l'entrée. C'est vrai. Voilà, donc on vous propose au conseil municipal d'approuver le fait de porter à 3 euros par agent par repas la participation employeur à compter du 1er juillet 2023. Et on dit que les crédits sont prévus. Est-ce qu'il y a des remarques, des questions ? Eh bien, on va voter. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Merci. On continue. Eh bien, merci pour ce vote unanime. Alors, le sujet numéro 14, il s'agit d'une création de poste de responsable de la vie associative. Donc, là aussi, c'était une volonté politique de notre municipalité d'accompagner la vie associative en dédiant un agent, en proposant de créer un poste pour un agent à temps plein qui serait chargé donc de gérer les relations avec la vie associative, de les accompagner dans leur démarche, dans leur relation avec la ville, mais pas que. Donc en gros, d'être l'interlocuteur au quotidien des associations qui ont vraiment des besoins en tout genre vis-à-vis de la ville de Lons-le-Saunier, que ce soit demander des gestions de locaux, c'est quand même souvent une question qui revient, de gérer leurs dossiers de subvention ou qu'on les accompagne dans leur organisation d'événements quand il s'agit d'utiliser l'espace public notamment. Donc voilà, on est souvent en relation, elles ont souvent plusieurs interlocuteurs. Donc là, la proposition, c'est de dédier un agent à cette mission et donc de créer un poste au grade de rédacteur principal première classe à temps complet à partir du 1er juillet 2023. Et donc voilà, de modifier en conséquence le tableau des effectifs pour pouvoir recruter cette personne. Est-ce qu'il y a des questions sur ce dossier ? Oui, monsieur Vélin. On en a parlé en commission culture, mais j'avoue que je n'ai pas bien compris qui cette personne devait remplacer, parce qu'en son temps, c'était Marilyn Gau qui s'en occupait. Et il y avait un soutien qui était recruté pour mettre en place, par exemple, le forum des associations. Moi, personnellement, je ne vois pas bien quels sont les besoins en termes de temps permanent sur toute l'année. J'avoue que là-dessus, je ne suis pas vraiment convaincu. J'ai l'impression que ça va faire un poste de plus, mais je ne suis pas sûr que ce soit bien nécessaire. Enfin, de l'expérience que j'en ai, je ne perçois pas ça comme un besoin permanent. Donc, j'ai les plus grandes réserves. Je crois que vous ne connaissez pas très bien le nombre d'associations et le besoin des associations. Je rappellerai quand même qu'il y a 250 associations sur la ville de Lons. Il y a tous les dossiers de subvention à traiter. Il y a le forum des associations, il y a les locaux, et puis il y a toutes les animations qui peuvent avoir lieu tout au long de l'année. Donc je pense qu'il y a largement de quoi s'occuper pour un accompagnement, un vrai accompagnement du domaine associatif. Je pense que ce n'est pas un faux poste, c'est un vrai poste, et je pense que la personne qui va le prendre aura beaucoup de travail. Alors, puisque vous parlez de globalisation de vie associative, quid des associations sportives ? Elles seront chapeautées par cette personne ou elles continueront à être chapeautées comme elles l'ont toujours été par le service des sports ? Qui assure, entre autres, une mission très complète et dynamique ? Parce que le service des sports, au-delà de toute la tâche qui est la sienne, gère aussi 80 associations sportives. Oui, alors pour répondre aux deux questions différentes, pour le sport, il n'y a pas de changement sur le fonctionnement du service. Hein, donc les deux agents gèrent... C'est vrai que la vie associative, elle est un peu complexe parce qu'elle regroupe différentes thématiques. Hein, ça va des associations sociales, sportives, culturelles... scolaires et autres loisirs. Donc dans tout ce panel, ça me permet de faire un petit pas de côté que je n'avais pas forcément prévu de faire, mais de manière générale, dans le projet d'organisation, la tâche qui a été confiée au directeur général des services d'organisation, il y a un peu une approche, j'allais dire matricielle, mais c'est peut-être un gros mot dit comme ça, d'essayer de fonctionner de plus en plus en mode projet. Et ça veut dire que, de manière générale, il y a une compétence métier qui va exister dans un service. Et puis, il y a des chefs de projet qui vont venir aussi en support à ces référents métiers pour apporter un complément sur leur thématique.
de la manière où, comme par exemple un DRH, une DRH va venir en support de tous les services pour dire, voilà, vous avez besoin d'aide, vous avez des enjeux dans votre service sur la politique RH, je vais venir en support. Et donc, le chef de projet responsable chargé de mission vie associative, il a aussi cette fonction-là, c'est-à-dire d'être en support de la vie associative, mais ce qui ne changera pas forcément l'organisation, qui est que le sport gérera le sport. Mais on a un soutien supplémentaire. Et puis, dire aussi que c'est en effet, comme vous dites, Monsieur Hélin, il ne faut pas chercher qui cette personne remplace, parce qu'il ne s'agit pas d'un remplacement, justement, il s'agit d'une organisation différente. C'est-à-dire qu'on profite de départ en retraite pour reconfigurer, redispatcher les missions et reconfigurer la façon de faire, avec toujours en ligne de mire cette organisation où on a des référents transversaux qui vont venir en appui d'autres interlocuteurs. Donc là, en l'occurrence, en appui d'interlocuteurs qui seront aussi déjà présents en termes de culture, en termes de soutien aux associations culturelles, aux associations sportives. Donc il ne s'agit pas d'un remplacement poste pour poste, il s'agit d'une création de poste, d'une création de poste nouvelle qu'on se permet grâce au non-remplacement d'autres personnes sur d'autres missions qu'on redispatche différemment. Donc voilà, j'espère répondre un peu à votre question que c'est pas une nouvelle personne de plus comme vous pouvez le laisser entendre, parce que c'est à effectif constant qu'on fait ce fonctionnement. Et de l'autre façon, c'est en effet un choix politique de dire on veut augmenter le temps disponible à l'écoute des associations. Donc on se donne un an pour voir comment ça fonctionne et soit vous donnez raison, soit vous donnez tort sur le fait que c'est surdimensionné d'avoir une personne à temps plein pour accompagner les associations. Nous, le pari, c'est de dire c'est qu'il y a vraiment beaucoup de besoins dans ce domaine et c'est quelque chose qu'on a envie de dynamiser. C'est une politique qu'on a envie de mener. Donc, on propose d'affecter ce poste à temps plein sur cette thématique. Et puis, on peut peut-être se dire rendez-vous dans un an pour faire le bilan de ce choix qu'on vous propose de faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques ? Oui, madame. Oui, donc ce que vient de dire Thomas Barthelet correspond effectivement, parce que moi, je m'interrogeais par rapport au niveau de rédacteur principal première classe que vous ciblez. Donc ça veut dire qu'effectivement, vous avez déjà la personne pour ce poste. On est d'accord ? Oui, on a déjà... On a déjà anticipé un certain nombre de choses, mais on a besoin de créer le poste pour pouvoir recruter officiellement la personne. Okay. Donc c'est pour ça qu'en effet, c'est vrai que souvent, quand on ne sait pas encore... On crée différents postes pour savoir. Et là, c'est vrai que ce serait à ce grade-là. C'est pour ça qu'on vous propose directement la création à ce grade-là. OK, merci. Oui, c'est une précision importante. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ? S'il n'y en a pas d'autres, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Une abstention. Adopté, donc moins une abstention. On passe à la délibération suivante. Jacques Guillermo, pour... Le SIDEC. Oui, merci Monsieur le maire. Bonjour à tous et toutes. Donc il s'agit d'une délibération relative à la subvention attribuée, comme tous les ans, sur les travaux d'éclairage public par le SIDEC, hein, qui est équivalent à 20% des travaux d'éclairage public réalisés par la commune, dans la mesure où ce programme concourt à une meilleure gestion du réseau. Mais ce montant est plafonné, comme vous pouvez le voir dans la délibération. Donc le montant maximum de cette subvention s'élève donc à 14 204 euros pour cette année. Pour rappel, l'année dernière, ce montant était quasiment identique puisqu'il était de la somme de 14 218 euros en 2022. Donc le conseil municipal, après délibération, sollicite le versement d'une subvention de 20% du montant du programme de travaux 2023 relatif à l'amélioration du réseau d'éclairage public, plafonné à 14 204 euros. Approuve les termes de la convention à intervenir avec le SIDEC, fixant les modalités d'attribution de cette convention et autorise le maire à signer la dite convention ainsi que tout avenant. Dit que les recettes sont inscrites au budget 2023 au chapitre 13. Ouais, c'est une délibération classique qu'on vote tous les ans.
Un petit élément, quand on parle d'énergie, pour l'instant, on n'a pas reçu de facture d'électricité de la part de notre fournisseur, puisque ils ont beaucoup de travail avec le bouclier, l'amortisseur à mettre en place pour les petites communes, donc de moins de 2 millions d'euros de budget et de moins de 10 agents, ce qui fait que toutes les autres communes, pour l'instant, on n'a pas de facture. Malgré tout, en regardant le nombre de kilowattheures consommés, on a fait une économie de 10% par rapport à 2023, par rapport à 2022 sur les premiers mois de 2023, donc ce qui correspond à l'objectif qu'on s'était fixé au budget. Voilà, mais on aimerait bien avoir quelques factures pour voir combien ça va nous coûter. Voilà, on va passer au vote de la délibération. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Je repasse la parole à M. Guillermo. Oui, merci, M. le maire. Il s'agit de la cession d'une toute petite parcelle qui est située 8 rue Henri Dunant à Lons-le-Saunier. En fait, ils se sont aperçus que M. Gauthier et Mme Gauthier, qui sont propriétaires d'une maison 8 en rue Dunant, a construit une clôture sur une partie du domaine public. Bon, c'est une surface, vous avez le plan de cadastre derrière, c'est vraiment une surface de 14 mètres carrés qui a été piétée, donc dont on se propose de céder à l'euro symbolique. Donc, sachant que l'acquéreur, l'indivision Gauthier, prendra à sa charge les frais concernant la division du terrain, ainsi que les frais d'acte, décide le conseil municipal, donc après délibération, constate la désaffection de la parcelle cadastrée 300 en R 654, car cette parcelle n'est pas aménagée pour son usage public, prononce en conséquence le déclassement de la parcelle du domaine public communal pour la faire rentrer dans le domaine privé communal, décide la cession de la parcelle cadastrée 300 en R 654 d'une contenance de 14 mètres carrés à l'euro symbolique, précise que les frais de division seront à la charge de l'acquéreur, charge le notaire de réunir l'ensemble des pièces afférentes à cette opération et de rédiger l'acte authentique de vente correspondant dont les frais sont à la charge de l'acquéreur. Autorise le maire à vendre ladite parcelle à l'indivision Gauthier ou toute autre personne morale ou physique qui s'y substituerait aux charges et conditions susvisées et sous celles ordinaires et de droit et en conséquence à signer l'acte authentique de vente à recevoir ainsi que tout document se rapportant à cette affaire et à faire tout ce qui sera utile et nécessaire pour parvenir à la vente de la dite parcelle. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. On continue avec délibération numéro 17. Merci. Donc il s'agit du tableau de bilan des acquisitions et des cessions par la ville de Lons-le-Saunier au cours des années 2021 et 2022. L'article L2241-1 du Code général des collectivités territoriales dispose que le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2000 habitants par celle-ci ou par une personne publique ou privée agissant pour le compte d'une convention avec cette commune donne lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune. Donc les tableaux détaillés de ces acquisitions et cessions sont annexés au présent rapport. Ce sont les deux tableaux que vous avez en annexe. Il est proposé au conseil municipal d'approuver le bilan de ces acquisitions et cessions réalisées au cours des années 2021 et 2022. Le conseil municipal, après délibération, approuve le bilan des acquisitions et des cessions sur le territoire de la ville de Lons-le-Saunier au cours de l'exercice 2021 et approuve le bilan des acquisitions et des cessions sur le territoire de la ville de Lons-le-Saunier au cours de l'exercice 2022. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. L'entretien des arbres. Donc, c'est le résultat de la consultation des entreprises concernant l'entretien des arbres, arbustes et haies, qui se renouvelle. Donc, nous avons lancé un appel d'offres qui a été fixé, dont les résultats ont été fixés au 15 mai 2023. Deux entreprises avaient candidaté, l'entreprise ID Verde et l'entreprise FCE, France Clôture Environnement. Au cours de l'analyse des offres dans cette commission d'appel d'offres, on avait fait apparaître un déplacement de l'estimatif qui s'explique de deux manières. Dans un premier temps, par une augmentation des prix des prestations
bien entendu supérieure à celle prise en compte par le service gestionnaire pour estimer son besoin, et dans un second temps par des quantités portées au devis, au DQO, des devis estimatifs quantitatifs, documents non contractuels utilisés dans le cadre de l'analyse des offres, plus importantes que celles réellement utilisées durant la vie du contrat. La commission d'appel d'offres qui s'était réunie donc le 1er juin 2023 avait attribué le contrat à l'entreprise ID Verde, qui a proposé l'offre économiquement la plus avantageuse pour un coût global estimé à 315 977,20 € pour une durée totale de l'accord cadre, soit 78 994,30 € annuellement. Sachant que, habituellement, la ville ne consomme, bien entendu, pas tout ce montant maximum. Le conseil municipal, après délibération, approuve le projet de marché à intervenir d'une durée initiale s'écoulant jusqu'au 31 décembre 2023 et reconductible 3 fois par période successive de 12 mois pour l'entretien des arbres, arbustes et haies, et autorise le maire à signer le marché correspondant avec l'entreprise ID Verde, domicilié 6 rue Camille Flammarion, 25 000 Besançon, ainsi que dans la limite des crédits disponibles, les éventuelles modifications à intervenir au cours d'exécution. Elle dit que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2023, au chapitre 11. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Merci. Et je passe la parole à Willy Bourgeois pour la délibération numéro 19. Merci, Monsieur le maire. Concernant la subvention complémentaire pour cette année au Centre communal d'action sociale, vous le savez, c'est récurrent. Le CCAS a un besoin complémentaire de financement pour cette année qui est évalué à hauteur de 675 000 euros. Il est nécessaire d'avoir une délibération qui permette au conseil municipal de valider cette délibération complémentaire au CCAS. Je voulais dire qu'il y a un travail depuis le début de l'année entre la direction Service Finance de la ville de Lons et la directrice du CCAS qui est présente et que je salue pour affiner et aller dans la dentelle pour avoir une vérité de tous les coûts qui sont supportés par le CCAS en matière d'action sociale, en matière de solidarité. Cela fait des années, en réalité, que nous n'avons pas cette approche fine, qu'il n'y avait plus cette approche fine pour savoir quels sont les coûts supportés par le CCAS et donc qui sont ensuite imputés à la collectivité locale pour pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus cohérent avec la réalité qui nous permettra, qui permettra au CCAS eh bien, de rentrer là aussi dans la finesse de l'ajustement des services qui sont rendus à la population. C'est un travail extrêmement rigoureux depuis de nombreux mois qui, sincèrement, n'a pas été très simple pour les directions, mais en tout cas qui va permettre, dès le mois de septembre, de pouvoir rentrer sur des tarifications et des services à la population qui seront plus cohérentes par rapport aux missions obligatoires, aux missions de solidarité, et qui permettra aussi d'avoir une meilleure visibilité pour le CCAS dans le cadre de son équilibre budgétaire, en tout cas par rapport à la subvention de la ville de Lons-le-Saunier qui permettra d'avoir cet équilibre budgétaire. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Il n'y a pas de questions. Eh bien, on va passer au vote. Ah si, M. Bois. Oui, c'est une question de compréhension. Donc, on a déjà évoqué 675 000 au moment du budget. En revanche, si on revient à la délibération numéro 1, donc du coup, pardon ? Oui, mais sur la maison commune, parce qu'on est quand même toujours sur le sujet, ça veut dire que si la ville prend en charge, donc 675 000 en direction du CCAS, si la ville prend en charge les 117 000 pour finir l'année, c'est-à-dire en année pleine, 351 000 euros, je pense que, enfin, on n'est pas sur 675 000 là. On est en train de faire enfler le montant, parce que comment? Oui, j'ai besoin d'une explication. Oui, sur la maison commune, ça passait pas du tout par le CCS. C'est concrètement, on l'a déjà évoqué en long en large ici. La LSH de la maison commune, c'est la ville qui payait le personnel, donc au chapitre 012 du budget ville.
et on les mettait à disposition gratuitement de la maison commune. Donc on avait discuté ensemble qu'on arrêtait au 31 août voilà, de cette année de prendre en charge les personnels de la part de la ville. Donc c'est la maison commune qui va gérer le recrutement, mais donc la ville n'aura plus la dépense de personnel. Elle transforme cette dépense de personnel en salaire au chapitre 012 budget ville en subvention de fonctionnement à la maison commune chapitre 011 enfin 65 voilà donc en subvention mais ça reste budget ville dans les deux cas c'était budget ville. Les contractuels n'étaient pas pris en charge par CCAS. Alors oui bah dans ce, oui bah, dans ce scénario là mais refacturer tous les contractuels qui sont pris en charge par le CCAS ils apparaissent dans le budget du CCAS mais en fait ils sont payés par, ils sont à la fin refacturés par la ville donc le CCAS a une dépense et une recette en face. D'accord. Donc là, on l'avait dans tous les cas la dépense au chapitre 012 du budget de la ville. Je n'avais plus en tête. Mais elle était en effet elle était pas forcément au chapitre dépenses de personnel, elle était aux dépenses de personnel refacturées au 62 quelque chose. Mais là, effectivement, ça montre bien que le début du mandat a surtout été consacré, pour Thomas Barthelet, à remettre de la clarification, de la transparence en matière de flux financiers pour les ressources humaines. Là, aujourd'hui, le travail vraiment qu'on mène depuis le début de l'année, c'est rentrer cette fois sur le flux financier qui correspond aux services rendus par le CCAS, service à la population, et d'avoir une vérité des coûts qui sont à la charge du CCAS, ce qui aujourd'hui est totalement illisible. Et c'est tout cela qui était essentiel pour pouvoir avoir et bien, tout simplement une subvention demain de la ville de L'Ours-Saunier qui soit la plus affinée aux besoins du CCAS et qui corresponde aussi à un service rendu auprès de la population. Merci pour toutes ces précisions. S'il n'y a pas d'autres questions, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Merci. Bon, on continue avec la DM numéro 2. Exactement. DM numéro 2 qui fait suite à l'affectation des excédents et des résultats positifs du compte administratif 2022. Aujourd'hui, on vous propose eh bien, tout simplement de flécher une partie de cette affectation de résultats à certains projet, d'une part au fonctionnement, on vient de citer à l'instant la subvention complémentaire au CCS 675 000 euros. Il y a également des besoins de dépenses complémentaires en charge à caractère général, 9 600 euros pour affiner. La prise en charge du déficit de la maison de santé à hauteur de 30 000 euros. Il y a des frais financiers complémentaires de 15 000 euros qui sont liés à la hausse du livret A parce qu'il y a des emprunts issus des 5 à 10 dernières années qui étaient indexés sur le livret A et vous savez que le livret A a augmenté donc il y a des frais financiers supplémentaires sur ces emprunts-là et également de l'affectation de recettes complémentaires pour mémoire, notamment la redevance funéraire, 50 000 euros. L'ensemble de ces nouvelles dépenses sont pris sur l'affectation du résultat qui a été précédemment voté lors du CA dernier. Au niveau des investissements, là aussi, des nouveaux investissements qui peuvent être financés grâce à l'excédent du CA concernant des projets de skatepark, les audits qu'on a votés tout à l'heure, 170 000 euros pour le fonds de concours qui est intégré là aussi au sein de cette décision modificative et puis toute une série de travaux complémentaires, réseau électrique dans les écoles, provision pour des travaux dans les écoles, augmentation des éclairages, c'est ce que j'allais dire, électrification et éclairage urbain pour 300 000 euros. Donc une série d'investissements complémentaires à hauteur d'1 200 000 euros qui vont s'ajouter aux investissements qui avaient été votés au moment du budget. Et puis aussi l'affectation de recettes complémentaires puisque nous avons bénéficié d'une série de subventions pour la région. On a voté tout à l'heure les 30 000 euros de subventions pour les audits, et également, pour mémoire, toutes les délibérations sur le fonds vert et la DETR que l'on avait voté au conseil municipal de décembre 2022. On a eu des accords de subventions de la part de l'État. En aparté, ça montre bien quand même, parce qu'il y avait eu
une discussion autour des demandes de subventions que l'on vote en conseil municipal en décembre 2022 pour l'année qui vient, alors qu'il n'était pas inscrit au budget ces projets en face, vous voyez bien que le contrôle de légalité a permis de montrer qu'on peut tout à fait faire de demandes de subventions, même si les projets n'ont pas été inscrits au budget. Et là, en l'occurrence, l'ADM permet bien d'inscrire à l'intérieur du budget tous ces besoins d'investissement complémentaires, alors que nous avons déjà eu les notifications et les accords de subvention de la part de l'État. Et bon, peut-être qu'on pourra un jour mettre subvention du conseil départemental sur cette petite ligne, ce qui serait assez intéressant pour la ville. Parce que ça nous manque depuis quelques années, quand même. C'est pour ça que je dis ça. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre ? Pardon. Qui est contre ? Qui s'abstient ? 2, 4, 6, 8 abstentions. La délibération est adoptée. On passe à la DM2, le budget annexe abattoir. Oui, un complément de financement de 11 500 euros en charge d'exploitation qui concerne la mission d'assistant juridique dans le choix de la gestion de l'abattoir qui n'avait pas été prévu à l'occasion du vote du budget. S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc même vote. Même vote qu'avant. Merci. Adopté. On continue. Annexe maison de santé. Là aussi, complément de financement pour financer à hauteur de 29 000 euros les charges à caractère général qui n'ont pas suffisamment été provisionnées au moment du vote du budget. On provisionne une augmentation des charges sur, en ce qui concerne l'énergie, l'électricité, pour cette année, tout simplement aussi parce que il reste encore des locaux qui sont vides et donc qui ne permettent pas de combler le déficit d'exploitation. Alors, la maison de santé, il y a une podologue qui va s'installer courant juillet. Là. Ouais. On va passer au vote. Même vote que tout à l'heure. Merci. Donc, 8 abstentions. Et bon, je ne sais pas s'il y a besoin de s'abstenir sur... Allez, on passe à la DM annexe parking. Non, mais sur le parking, 7 500 euros de décision modificative, là aussi, sur des charges complémentaires pour l'équilibre de l'exploitation du parking, budget parking. Donc, même vote. Et sur les parkings, nous aviez promis de nous rendre compte d'utilisation du parking Place de la Liberté. Et ça fait 4 mois que la restitution doit avoir alors, lieu. Alors, c'est une très bonne question. Oui, mais vous m'avez déjà dit ça il y a 4 mois. Non, mais je vais vous répondre. Alors, Monsieur Rameau est absent, mais je peux répondre à sa place. Donc, on en a déjà parlé, je pense, en commission. Puis on a échangé dans des réunions, notamment avec les commerçants lédoniens. Donc, après, on avait dit qu'on faisait cette expérience pendant un an. Donc l'idée, c'est de remettre le parking Liberté accessible à tout le monde à compter du 1er janvier 2024, puisque là, il y a des contrats mensuels pour des gens qui louent, donc le temps qu'ils trouvent une autre solution. Voilà, donc l'information que je peux vous donner aujourd'hui. Alors on ne peut que saluer de rendre au domaine public et au service public ces parkings, parce que cette privatisation nous choquait. On avait dit que c'était une expérience, hein, donc voilà. Oui, mais il y a 3 mois, elle était formidable. Avant la réunion avec les commerçants, on nous avait dit, on va vous rendre compte, cette expérience est formidable. Vous pouvez reprendre les minutes. Oui, il y a des gens qui étaient très satisfaits. Non, mais vous étiez très satisfaits, c'était formidable. Il y a la moitié des places, c'est pris par des commerçants déjà. Hein, donc voilà, donc on a... C'est surtout à 3/4 vide. Ben non, c'est pas 3/4 vide, puisque tout est loué. Donc tout est loué, c'est pas vide. C'est visuellement... Oui, le soir, c'est vide. Oui, mais d'accord, mais on peut pas. Oui, mais c'est le résultat qui. On a fait une expérience, on a tiré le bilan, on a écouté les remarques des uns des autres. Pardon. Alors, ça va pas révolutionner la ville de Lons. Hein. On refera le bilan dans un an, mais on en discutera. On continue avec les délibérations numéro 24. Oui.
l'octroi de... Voyez, il est en vacances. Une délibération numéro 24 concernant l'octroi d'une garantie auprès de l'agence France Locale, tout simplement parce que sur les offres de prêts que nous avons reçues pour cette année-là, c'est l'agence France Locale qui est l'offre la plus intéressante pour notre collectivité. Et donc, conformément au statut de l'agence France Locale et au pacte d'actionnaires, la possibilité pour un membre de bénéficier de prêts de l'agence France Locale est conditionnée à l'octroi par le dit membre d'une garantie autonome à première demande au bénéfice de certains créanciers de l'agence France Locale. Donc, il vous est demandé tout simplement de nous autoriser cette garantie auprès de l'agence France Locale qui va nous permettre tout simplement de sécuriser notre emprunt. Pour rappel, l'emprunt que nous avons voté au moment du budget est un emprunt à hauteur d'1,5 million, c'est-à-dire que chaque année, depuis le début de notre mandat, on emprunte l'équivalent de ce que l'on rembourse chaque année, ce qui permet de maintenir une trajectoire d'endettement de la ville qui ne change pas, tout simplement parce qu'on emprunte ce que l'on rembourse. Donc là, c'est tout simplement, on a remboursé une annualité de la dette d'1,5 million et on emprunte 1,5 million, et l'agence France Locale est la plus intéressante pour cette année. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Délibération 25, c'est adhésion à l'Association nationale des élus du sport. Donc voilà, c'est une association qui permet à tous les élus du sport d'échanger sur leurs différentes expériences. Donc l'adhésion est proposée pour l'année 2023 pour un montant annuel de cotisation en fonction du nombre d'habitants. Donc 244 euros pour la collectivité entre 5 000 et 19 999 habitants. Et il convient donc de désigner un représentant de la collectivité pour cette association. Donc le conseil municipal, après délibération, décide l'adhésion de la ville de Lons à l'ANDES pour 2023. Et puis on propose donc sur Antoine Jaillet en tant que représentant de la collectivité au sein de cette même association. Et on dit que le maire est autorisé à renouveler l'adhésion annuelle à l'ANDES et à ordonner le paiement des cotisations dues. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? S'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Délibération suivante, c'est pour désigner des élus dans des organismes, différents organismes, en représentant au CA du CARCOM, au conseil d'administration de la PEI, à l'établissement La Résidence Edilis, à la Ville Amie des Aînés, comité de jumelage. Il y a deux au comité de jumelage, la commission de contrôle du répertoire électoral unique et le CA du lycée Jean-Michel. Donc je vous propose de nommer Madame Botagisi Gizi au CARCOM au comité de jumelage, Monsieur Pro, conseiller d'établissement de l'APUI, la résidence d'Élis et la référent Villamy des aînés, et puis au comité de jumelage, Monsieur Bastien Gou, et au CA du lycée Jean-Michel, également Monsieur Bastien Gou, pardon, et la commission de contrôle de répertoire électoral unique, Monsieur Jean-Philippe Rameau. Voilà. Oui, Madame Chambaré. J'aurais souhaité être représentante au CA du lycée Jean-Michel. Alors, c'était en remplacement de quelqu'un de notre liste. Hein, donc, c'est pour ça qu'on reprend, on nomme aussi quelqu'un de notre liste pour le CA du lycée Jean-Michel, puisque c'était Madame Chambier qui y était. Donc, ouais. On peut, je sais pas s'il y a des suppléants, il y a peut-être une suppléante. Il n'y a pas des postes de suppléants, je ne sais pas. Il doit y avoir un suppléant. Pour votre information, avec Madame Catherine Claire, on siège tous les deux également au conseil d'administration du lycée Jean-Michel également. Hein, si jamais on suit les dossiers ensemble. Alors, je me permettrai, Monsieur le maire. Alors, Monsieur Bois. Du coup. Vous prenez, parce qu'il y a d'autres représentations qui manquent là. Parce que Madame Maillard au lycée Montciel a une suppléante qui est démissionnaire aussi, que je sache. Bah oui, mais c'est compliqué. Ah, non, mais
Il doit manquer peut-être un suppléant, de toute façon, au lycée Jean-Michel, je pense. C'est Émilie Coujon. Oui, ça, mais c'est Émilie qui est suppléante déjà. Donc, normalement, c'est tout bon, là. La liste est bonne. Pour le lycée Montciel. Alors éventuellement, est-ce que Bastien, tu accepterais d'être suppléant à, ou tu veux rester titulaire à Jean-Michel? Voilà ma question. On peut mettre Madame suppléant Madame Chambaret et puis vous vous arrangerez pour être au lycée Jean-Michel. Ouais, comme ça vous pourrez siéger les. Ouais. Et ben on peut mettre. Je pense que oui, Amy. Oui. Bon, on met Madame Chambaret suppléante à Montciel. Ça vous convient? Voilà. Allez, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté, merci. Subvention aux associations. Donc, il y a une nouvelle association qui s'est créée il y a quelques semaines, l'association des. Enfin, qui existe déjà depuis un petit moment, mais qui veut faire une action. C'est l'association des jeunes de la Marjorie, qui veut organiser la fête du thé. Donc, d'ailleurs, c'est le 1er juillet, c'est bientôt, c'est samedi. Donc, on a décidé de leur octroyer une subvention de 1 500 euros pour cette animation qui a lieu samedi prochain. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Oui, monsieur le maire. Est-ce qu'on pourrait avoir, comme à l'habitude, comme j'en fais de façon récurrente la demande, le plan de financement? Alors, le budget est de 8 300 euros. Je sais, mais on vous l'enverra. 8 300 oui, oui, vous nous l'enverrez. Oui. De tête, il est de 8 300. Et puis, j'enchaîne, mais je sais le travail qui fut le mien et qui est désormais celui d'Antoine, qui pilote le service des sports. Quand je vois que pour obtenir une subvention de 1 500 euros au niveau des sports, il faut porter une manifestation à niveau régional qui dure sur plusieurs jours avec des centaines, voire des milliers de spectateurs, je trouve quand même que l'enveloppe est très généreuse. Voilà. Et les critères ne sont pas forcément les mêmes entre une association sportive et une autre. C'est une nouvelle association qui a envie d'animer le quartier. Donc on verra le bilan de cette animation. Ils devaient déjà le faire l'année dernière, ils n'avaient pas pu le faire. Donc on leur donne une deuxième chance. Voilà, donc samedi prochain. Et monsieur le maire, qui sont les autres financeurs? Pour 8 300, parce que c'est j'ai, long, quand j'ai même, pas pour le, arriver de 1 500 à 8 300. J'ai pas le plan de financement avec moi, là. Ouais. Bonjour. Monsieur le maire, juste en parlant d'association, est-ce correct, est-ce exact qu'on a délibérément omis un des vendredis des concerts de l'été, le 4 août, pour ne pas faire concurrence au Rock'n'Horse? Et est-ce exact que ça a été compensé en partie par le Rock'n'Horse par 100 places attitrées à la ville de Lons-le-Saunier? Oui, effectivement, on avait choisi de ne pas faire de spectacle le soir. Il y a 100 places qui ont été offertes aux salariés de la collectivité. Voilà. Voilà. Il y a eu un tirage au sort puisqu'il y avait, il y avait trop de demandes. Donc c'est les services RH qui l'ont fait. Voilà. Bah, on a fait le choix de donner à tous les salariés, que ce soit la collectivité, enfin toutes les trois collectivités. Hein, c'est les services RH qui a piloté ça. Voilà. Je me permets juste une petite remarque. Je pense que les commerçants de la ville seront ravis. Enfin, tous ceux qui ce soir-là. Je pense que les commerçants de la ville, ils sont ravis du programme de manifestation de l'été qui se déroule
pendant 2 mois et qui est particulièrement intéressante et particulièrement riche. Donc, à mon avis, c'est plutôt le verre plein qu'il voit là en ce moment. Je crois, Anne, qu'on ne doit pas, depuis quelques semaines, rencontrer les mêmes commerçants. On les a rencontrés dernièrement, justement sur le sujet de l'animation. Et ils sont très contents de l'animation. Il y avait une animation qui devait se faire à 5 heures pour qu'elle soit finie à 19 heures. Finalement, ça n'a pas pu se faire. Voilà, c'était l'objectif. Ce n'était pas de supprimer forcément l'animation, mais de la faire un peu plus tôt dans la journée. Finalement, la personne qui devait faire cette animation n'a pas pu arriver au bout. Mais je pense qu'en termes d'animation, on a quand même créé l'été sera long. Il y a 25 spectacles gratuits sur la ville de Lyon, ce qui n'existait pas auparavant. Donc je pense que ce n'est pas parce qu'on ne fait pas une animation un vendredi soir, dans le cadre des vendredis de l'été, que ça va mettre en péril l'activité économique du commerce lédonien. Allez, on va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Monsieur Hélin ou Madame Claire, je ne sais pas qui est. Commencer. Pardon. Alors donc, plusieurs dossiers ouverts depuis le début du mandat semblent ne pas trop avancer et je souhaiterais que vous fassiez le point sur leur état. Le premier concerne l'ancienne caserne des pompiers de la Marjorie pour laquelle vous aviez organisé avec force publicité une consultation de nos concitoyens en 2021. Depuis, rien ne se passe. Où en est-on ? Le second dossier concerne le parc des bains, l'élaboration du plan de gestion débuté pendant le précédent mandat et finalisé par vous, prévoyant un début des travaux en 2023. Or, rien ne se passe, où en est-on là encore ? Sur d'autres dossiers, je souhaiterais avoir des informations. Vous avez lancé une consultation d'entreprise pour terminer le lotissement et poursuivre la rénovation de l'îlot des Salines cet hiver. La remise des offres devait avoir lieu mi-mai. Quel en est le résultat ? Et enfin, il semble que l'ex-école Briand et les salles d'apparat de l'hôtel d'honneur ne soient plus accessibles au public, faute d'agrément de la commission de sécurité. Pouvez-vous me le confirmer et que comptez-vous faire ? Continuez sur la question suivante. Oui, monsieur le maire, le 5 avril dernier, il y aura bientôt 3 mois. Je vous ai envoyé par courriel la question suivante à laquelle je n'ai pas obtenu de réponse. Je vous la pose donc publiquement en conseil municipal pour espérer en avoir une. Un arrêt du Conseil d'État du 14 avril 2022 prévoit qu'un espace doit être réservé à l'expression des conseillers n'appartenant pas à la majorité municipale dans toute publication comportant des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal. Le site internet et la page Facebook de la ville sont des publications relevant de cette disposition. Je souhaiterais donc que l'on puisse se mettre d'accord sur les modalités de l'application de ce droit à Lons-le-Saunier. Je suis à votre disposition et à celle des services de la ville pour ce faire. Merci à vous. Merci pour votre question qui me permet de répondre et de montrer que clarifier certains dossiers et de montrer qu'il y a beaucoup de choses qui avancent sur la ville de Lons. La caserne de pompiers, le dossier a été confié à un professionnel du bâtiment qui va évaluer le potentiel du tènement et configurer un projet avec pour objectif premier de répondre aux besoins qui avaient été émis, qui étaient ressortis lors de l'enquête. Et il y a aussi une petite interrogation par rapport à l'achat éventuel du tènement de la tour des pompiers qui devait être démolie et qui pour l'instant n'est toujours pas démolie et qui pourrait modifier le projet. Le parc des bains, suite aux études portant sur l'état sanitaire du patrimoine arboré, les arbres dangereux ont été abattus pour sécuriser les usagers. Le réseau d'éclairage du parc va être modernisé pour mieux répondre aux enjeux et usages du parc. Donc, c'est des travaux qui vont être faits à l'automne 2023. Les modalités, on voulait commencer cet été, mais on ne peut pas, on est obligé de retarder à l'automne. Les modalités d'entretien du parc ont évolué pour favoriser l'expression de la biodiversité. Et puis, dernier élément aussi qu'on attendait pour avancer sur ce dossier, c'était la décision du club de tennis, donc qui, il y a quelques semaines, nous a confirmé par écrit sa volonté d'abandonner les terrains du parc au profit des terrains sur la zone du solvant. Donc, c'est aussi un élément qui est important dans le futur plan de gestion. Sur l'îlot des Salines, actuellement, on dispose de 3 offres d'investisseurs pour tout ou partie des bâtiments. Elles sont actuellement en analyse et le jury se réunit courant juillet.
Voilà, il y a aussi une offre pour les terrains, pour des maisons de ville. Donc, il y aura le jury qui se réunira courant juillet. À noter qu'on a déjà eu, avant que ces maisons soient construites, il y a des gens qui sont positionnés pour éventuellement devenir propriétaires. L'ex-école Briand, elle a fermé le 5 juillet 2016. Un arrêté de fermeture de RP a été pris dans la foulée. Depuis 2020, on avait pris deux arrêtés d'ouverture provisoire pour des animations dans le cadre de l'été sera long, c'est pour d'autres activités. Et compte tenu des difficultés, des discussions et des exigences demandées en termes de sécurité et d'évacuation avec les services du SDIS, il a été décidé de ne plus accepter le public dans les bâtiments de l'ancienne école. Et de toute façon, comme on a programmé l'audit énergétique et puis on a programmé aussi une étude pour la rénovation de ce bâtiment, il est préférable qu'il reste vide en attendant les futurs travaux. Je vous rappelle qu'il est fermé depuis 2016. L'hôtel d'honneur, le dernier rapport de la visite de commission de sécurité date du 12 décembre 2000, soit il y a 23 ans, avec un classement de type W, correspondant à des établissements d'administration, banques et bureaux, avec un effectif maximum de 100 personnes par étage. Ce bâtiment historique ne correspond plus à la destination actuelle de l'ancien hôtel d'honneur en ce qui concerne la réalisation d'expositions ou de manifestations culturelles qui ne respectent pas la classification des bâtiments. Si par le passé des manifestations culturelles pouvaient être organisées, elles l'étaient de manière exceptionnelle en prenant en compte la nature de la dite manifestation et le service et le public attendu. Et on a le même problème sur les salles d'apparat où on est en difficulté pour respecter les règlements de sécurité. Donc là encore, c'est un bâtiment, je vous rappelle, qui est vide depuis 2015, ouais, donc, dont on hérite. Donc permettez-nous de prendre aussi le temps pour une future rénovation. Quant aux droits de la minorité, les droits d'opposition sont essentiels au bon fonctionnement de notre collectivité. Et je vous propose de se rencontrer au mois de septembre, une rencontre courant de l'été si vous êtes disponible, entre les trois responsables de groupe. À vous de me donner un nom de responsable. Et c'est Thomas Bartelet qui s'occupera pour la majorité de travailler avec vous. Voilà. Je vous remercie. On arrive au terme de ce conseil municipal. Merci à toutes et à tous. Merci aux internautes qui nous ont écoutés. Et rendez-vous donc le 25 septembre pour le prochain conseil municipal. Et en attendant, je souhaite de bonnes vacances à toutes et à tous, puisque forcément, il y a des gens qui vont partir, d'autres qui vont revenir. Et je vous rappelle que je vous invite aussi à prendre un verre de l'amitié avant de partir. Donc voilà, on a quelques bouteilles au frais. Donc à tout de suite.